Tu as commencé le streaming. Le streaming. Maintenant, il faut attendre que Twitch s'en rende compte, qu'il prête le tout, et tout ça, tout ça. Oh, on est live. Du coup, j'ai désactivé la réduction peu sur Discord, c'est horrible. Attends... Là, comme ça... Ah mais du coup maintenant c'est dégueulasse. Je crois, je sais pas ce qui est mieux. Essaye de parler pour voir, voir le niveau audio, tout ça. Vargas. Un, deux, trois, quatre. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ok, super. Allez, j'ai... Faut que tu baisses le son Discord. Alors, je vais baisser le son Discord, je vais le baisser non, c'est un bon, poil. C'est bon, en fait. Voilà, allez, je l'ai un peu baissé, et puis voilà. Donc, ce soir, en mode stream avec T-Mac, on va se faire une partie de Fate of the World, le destin du monde. Ah, rien que ça. Si vous connaissez un jeu avec un titre qui est encore plus putaclic que ça, allez-y, envoyez-moi, ça m'intéresse. Mais en fait... Je pense que j'ai déjà vu des trucs dans le même genre aussi putaclic, mais... Ouais, sauf que là... Ouais, là, c'est vénère, quoi. C'est vénère, mais c'est dans le sens où... Attends, je vais t'expliquer qui est derrière ce jeu, déjà. Et je vais rappeler que c'est un jeu qui date de 2011, avec une extension qui est présente, qui s'appelle Tipping Point. Elle est activée, là. Et ça donne plus de scénarios possibles. Et on joue tout simplement l'ONU. Mais qui s'appelle pas l'ONU dans le jeu pour des raisons de droit, etc. Mais ce qui est important à savoir, c'est que ce jeu a été développé avec l'une des plus prestigieuses universités du monde et en se basant sur des données scientifiques réelles. C'est-à-dire l'université d'Oxford. Rien que ça. Ouais, la fameuse. Ouais, la fameuse université d'Oxford. Donc c'est vraiment pas un jeu simplet. C'est un jeu qui est dur, c'est un jeu qui t'explique que voilà ce qui va se passer dans, allez, on va dire 11 ans, et ah bah voilà, ça y est, on est 11 ans plus tard. Et alors, évidemment, à l'époque, quand le jeu est sorti, autant dire que t'as pas tout le monde qui était content, parce que tout le monde était en mode « Ouais, mais il est trop dur, votre jeu !» Bah ouais, bah l'avenir, il va être trop dur. Tout simplement. Ouais, déjà, l'avenir peut être trop dur, et aussi, être l'ONU, ça doit pas être simple. Ouais. Concrètement, même si tu fais les bons choix, tu risques de te faire virer. Remets le son Discord à 0 dB, s'il te plaît. 0 dB, ok. Je pense. Et voilà. Voilà, une seconde. Test, 1, 2, 1, 2. Ouais, c'est bien comme ça. Donc voilà, en gros, nous sommes le président de cette ONU qui s'appelle GEO dans le jeu. Et nous sommes dans une situation où, évidemment, il y a tout le bordel possible et imaginable. C'est-à-dire qu'il y a le changement climatique, il y a les guerres, il y a les problèmes économiques. En gros, c'est la réalité. On joue pas du autre coup, chose. Je vais poser une question parce que je suis un débile et que j'ai pas forcément tout écouté parce que je regardais les réglages son. Du coup, ça a été fait, bon, du coup, il y a quelques années, 11 ans, mais ça raconte. Genre, on joue en 2011 ou en 2022? Alors, on débute en 2011. Ok, mais du coup, on évolue pendant plusieurs années et tout. Ah ouais, jusqu'en 2050, etc. Jusqu'à ce qu'on perde ou on gagne, quoi. Ouais, comment on gagne? Eh ben, il faut... Est-ce qu'il faut conquérir le monde? Non, en fait, t'as des conditions de victoire et t'as des conditions de perte. Là, regarde l'écran. Je t'en ai mis un que j'ai complété, l'un des très rares que j'ai complété, c'est-à-dire l'expansion de l'Afrique. T'as une condition de victoire, donc oui, c'est en anglais, hein, il n'y a jamais eu de traduction française, ce qui est dommage. En gros, il faut développer l'Afrique de telle façon que un certain indice, qui s'appelle l'HDI, augmente pour atteindre 0,7 points. L'HDI, est-ce que c'est l'équivalent de l'IDH?
Alors l'IDH, qu'est-ce que tu appelles l'IDH? L'indice de développement humain. Eh bah ouais, c'est exactement la traduction. Tout est réel. Human Development Index. Index, ouais, c'est ça. Index, waouh. En gros, tout... Je suis trop fort en anglais, t'as vu l'accent et tout. Carrément. Mais en gros, toutes les données sont réelles, tous les éléments sont réels, toutes les informations, réelles, les statistiques, etc. Enfin, pas obsolètes, parce que du coup, ils datent de l'époque, mais... Non. Mais ne... rappelez-vous, il y a eu 11 ans qui se sont passés entre-temps. Peut-être qu'il y a des trucs qui ont changé, peut-être pas, peut-être qu'on est des sales merdes et qu'on est dans la même situation qu'il y a 11 ans, sauf qu'il y a le réchauffement climatique et la crise en plus. Ouais, mais concrètement, le jeu est toujours d'actualité, même encore plus. Je dirais qu'à l'époque, il est sorti trop en mode, on en a parlé en off, précurseur, alors que concrètement, bah, on va voir qu'il n'y a pas un truc qui est en trop dans le jeu par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui en fait. Pourquoi est-ce qu'il y a la Russie, la Chine, le Japon, mais il n'y a pas la Corée? Alors, la Corée est dans l'Asie. Pour faciliter les choses, t'as des systèmes de régions, en fait. Ah. C'est-à-dire qu'en gros, c'est... Ah oui, effectivement, il y a Europe, Nord-Pacifique... Ouais, voilà, en gros, c'est tellement le bordel... En fait, c'est parce que j'ai vu Russie, Chine et... J'ai vu Russie et Chine, j'étais en mode... Attends, pourquoi il y a des pays et des continents? Que se passe-t-il? Ouais, non, mais en gros, il faut se rappeler que c'est... On joue l'équivalent de l'ONU. Or, tu as des pays qui ont des places privilégiées, tu en as d'autres qui fonctionnent sous système de fédération, en fait, à l'ONU. Ouais, logique, effectivement. Donc, il ne s'agit pas de géopolitique par rapport à la réalité des pays, mais il s'agit de rapports de force politique, en fait. Je vois, je vois. Et du coup, mon cher Joe, quels sont les scénarios disponibles? Alors, le premier, tu vas voir qu'il y en a pas mal. Le premier, donc, on vient de le dire, c'est-à-dire développer l'Afrique. Ensuite, il y a un problème avec le pétrole. Tiens, tiens. Donc là, la condition de victoire, c'est réussir à rester en place jusqu'à 2080. Les conditions pour perdre, elles sont nombreuses. C'est-à-dire, en gros, essentiellement, que la production de pétrole tombe 35 000. Alors TWh, comment le comparer? C'est quasiment du terawattheure si on comparait à l'électricité en fait. Bref, c'est un indice. C'est soit ça, soit il y a un pays qui est une région qui a un indice de développement qui tombe sous 0,7, ou bien être banni. Et tu vas voir qu'être banni, enfin, c'est pas si compliqué que ça. Pas qu'il tombe sous 0,7, c'est qu'il soit en dessous de 0,7 à la fin. Ouais, en 2080. Parce ouais. qu'on peut les faire tomber à 0,1 si on veut en 2011, mais il faut juste qu'ils remontent entre temps. Voilà, voilà. Ce qui serait compliqué si on les fait tomber à 0,1. Donc en gros, c'est un scénario qui dit le pétrole, ça va être compliqué, mais il faut continuer à se développer. Et j'ai réussi à le finir aussi. C'est l'un des rares aussi que j'ai fini. Bien joué à toi. Ensuite, Fuel Crisis. Alors attends, je dis fini. J'ai obtenu un score, mais je ne l'ai pas complété, tu vois. C'est que le premier que j'ai complété, tellement le jeu est dur, en fait. Ensuite, crise du fuel, on est dans la même logique. Mais là, tu as en plus une condition de... tu perds si il y a une augmentation de la chaleur de 3 degrés. Et par contre, ça se joue jusqu'en 2120. Ouais, je pense qu'on l'a perdu, celle-là. Ouais, celle-là, elle est capoute dure, mais bon, 3 degrés, c'est beaucoup quand même. Ensuite, on a Cornucopia. Alors, Cornucopia, c'est vraiment basé sur le changement climatique. Donc, pour gagner, il faut ne pas dépasser 3 degrés en 2200. En 3 degrés. Ouais, 3 degrés. Faut pas, de 2011 à 2200, faut pas que ça monte à 3 degrés de plus, quoi. Ouais, ça doit être dur. Ouais, j'ai fait 612 en high-score, c'était pas mal, mais j'ai pas réussi à la compléter pour autant. Le refus. Alors là, c'est un autre truc. Le refus, c'est en gros, tu t'en fous du changement climatique. Le but, c'est d'obtenir plein de richesses. C'est d'obtenir 200 milliards de dollars en 2200. Mais il faut que tu réussisses sans pour autant... que l'indice de développement tombe en dessous de 0,5 sans être banni, sans perdre ton QG, etc. etc. Donc là, ouais. Est-ce qu'on ouais, peut en faire revanche, plein de choses du coup, ça, c'est littéralement la stratégie actuelle. Et c'est exactement ça, en fait. Ils ont mis un scénario en mode le refus, d'où le titre Denial.
Et est-ce que tu vas y arriver? Ouais, mais... Ouais, mais... Sauf que, est-ce que tu vas y arriver tout en ayant l'accord des régions alors qu'il va se passer plein de merde et que les populations vont souffrir des intempéries et de tout ce que tu veux, quoi? Ouais, mais c'est dans leur tête. Ouais, bah écoute, sur celui-ci, j'ai fait en score 550. J'ai pas pu faire mieux. On continue, le jour de la Terre. Alors, là, c'est un scénario où, en gros, par défaut, tous les pays sont d'accord sur le fait qu'il faut changer quelque chose au niveau climatique. Donc, si tu restes sous les 3 degrés, là aussi, tu gagnes. Mais, par contre, t'as des conditions, comme dans les autres cas. Donc, c'est un scénario, je l'ai jamais essayé, mais c'est un scénario plus positif. Dans le sens où tu auras plus de gens qui seront d'accord avec toi pour changer les choses. On continue, 3 degrés. Bon bah, c'est simple, hein. C'est un petit peu dans les mêmes logiques. Et il n'y a pas grand chose à en dire de plus parce qu'il ressemble beaucoup à d'autres. Mais on ne va pas y jouer parce qu'il faut débloquer un scénario précédent. Et c'est le cas de tous les autres scénarios en fait. Les 3 derniers scénarios, je les ai pas débloqués en fait. Je vois. Donc, si tu veux en faire un, à mon avis, un peu original, que moi-même j'ai pas fait et qui semble partir d'une bonne intention, je pense que Earth Day, ça peut être pas mal. Ouais, mais est-ce que les premiers scénarios sont plus simples que ceux d'après, Eh ben, je sais pas trop, je les trouve tous durs en fait. Ouais, mais parce que j'allais dire, faut peut-être commencer sur un scénario plus simple, histoire que j'essaie de comprendre qu'est-ce que c'est que ce jeu. Bah en fait, j'aurais tendance à dire que celui que j'ai pas encore fait, Earth Day, est sans doute le plus simple. Bien, essayons, partons là-dessus. Et pour info, t'as un mode easy, avec plus de stabilité et de support, et je pense que c'est pas... Ouais, mais c'est pour les tapettes. Ce jeu n'est pas pour les tapettes. Le mode easy... C'est pour les tapettes, on s'en fout du mode facile. Si tu veux, mais tu vas chialer. Ok, allez. Ah oui, non, mais on va perdre. Ça, là-dessus, allez. Donc, t'inquiète pas. Allez. Hop. Attends, que je trouve le bon bouton. Qu'est-ce que t'essayes de faire? Sinon, on peut s'appeler Joe Mac. Vas-y, Joe Mac. How do you wish to... Votre excellence! Tu veux qu'on s'appelle notre excellence? Eh ben, allez, vas-y, ok. Si tu veux, on peut prendre autre chose. Bah, sœur, c'est un petit peu plus modeste, je trouve, mais si tu veux... Ah, parce qu'on voulait être modeste. Ah bah, vas-y, ok, va pour votre excellence. Tu vas voir l'excellence. Ah, mais moi, je veux être le mec qui se la pète et qui nous amène tous à notre ruine. Allez, c'est parti. Ah, c'est Star Wars. Ouais. Quand... Je viens de me rendre compte que j'avais coupé le son du jeu. Oh, la musique est cool, mais c'est toujours la même. Encore? Mais c'est quoi tes jeux avec toujours la même musique? Bah c'est des jeux de gens qui ont des bons concepts mais pas de thunes. Ah, les indés. C'est plus ce que c'était. 2010. Après une décennie d'incertitudes économiques et de guerres urbaines sans repos, le monde fait face à des changements climatiques. 2018, le cyclone Sandvou, des experts appellent Sandvou le super typhon, le tout premier. Il frappe les côtes en 2200. Les températures dangereuses sont une possibilité mortelle. Ah, maintenant on dit plus 2050. Et ouais. Pendant ce temps, la glace au pôle est en train de disparaître. Évacuation. Les ours, c'est des bâtards. Le président des Maldives admet que la migration est désormais inévitable avec la montée des eaux. 2020, sommet du climat, le monde répond. La protection de notre environnement est trop importante pour notre futur, pour rester gouverné par une insuffisance et une vue à court terme ou des nations individuelles. L'organisation de l'environnement global agira là où l'action est nécessaire, avec la volonté et le support de toutes les nations pour garantir un futur meilleur. On est en 2020, hein, c'est interdit les rassemblements comme ça. Ah ouais, mais dans le jeu on est en 2011 et on espère que ça arrive en 2020, tu vois.
Alors, non, mais en mélange. 2020, le réchauffement climatique, on le chie à la gueule. Et voilà, donc un mélange de célébration, de scepticisme et de peur arrive. Et voilà, notre notre tableau de bord, on va dire. Et tu vois qu'il y a plein d'infos telles qu'on les veut pour gérer le monde. En haut à gauche, on recrute des agents qu'on envoie dans certaines régions du monde. Et quand tu as des agents, tu peux jouer des cartes actions, qui te permettent de faire ce que tu veux, éducation, agriculture, économie, etc. Paix aussi, militaire et tout ça. En bas à gauche, tu as des vues différentes. Du genre, tout simplement ici, le changement de population. Bon bah tu vois, là, par exemple, on est en 2025, donc on débute en 2025 sur ce scénario. Tu peux voir l'état de changement de population. Il n'y a pas un endroit avec des gens qui meurent ou c'est de l'eau ? Non, mais c'est de l'eau. Ou des déserts. Enfin bref. Ah, c'est peut-être un désert. Mais là, tu vois, par exemple, en Asie, ou un pays de merde. En Afrique de l'Est, t'as un coin qui est bleu, c'est-à-dire que t'as un déclin de population. Ah bah voilà, c'est des gens qui meurent. C'est des gens qui se reproduisent pas. Ouais, donc ils meurent. Hop, changement de température. Donc, bah ouais. C'est encore très acceptable. Ouais. Par rapport à ce qu'on connaît, je veux dire. Et puis changement de la Terre, donc apparaîtront en rouge là où il y a des changements. Tout en haut de l'Afrique là-bas, du Nord. En Afrique, ouais, tout en haut de l'Afrique du Nord, on voit du rouge déjà. Et après, hop, ah oh bah merde. Uf. Et bah voilà. Tu vois les changements le là. Pôle Nord. Ouais, le pôle Nord, il prend déjà. Oh, il y a plus grand chose. Et d'ailleurs, j'ai lu aujourd'hui même que les changements dans les pôles sont 4 fois plus rapides que dans le reste du monde. Donc, ils sont pas déconnés. Hein. Pour un jeu de 2011, ils sont pas gourés sur cet aspect-là. Bah oui, mais le réchauffement climatique et toutes ces merdes, techniquement, ça fait longtemps que ça arrive. C'est juste qu'on en a toujours rien à foutre. Ouais, c'est ça. Bon, alors, on continue. Donc, en haut, les objectifs de mission, c'est pour pouvoir les relire, mais on les connaît déjà. Hein. Donc, en gros, éviter... une augmentation de 3 degrés. Donc ça, c'est la condition de victoire, t'as les conditions de défaite, et puis t'as des objectifs bonus d'ailleurs, si tu voulais. Éviter du genre ce qu'on appelle les méga-morts, c'est-à-dire qu'on ait une population qui baisse pas trop vite, ou bien éviter la disparition de l'Amazonie, enfin, ouais, des trucs secondaires, quoi. Ensuite, en haut à droite, c'est là où t'as plein d'informations. Du genre, la population, là, on est à 7,3 milliards de gens sur Terre. On a, en termes d'émissions, par mégatonne, 53. Et GDP, donc, c'est aussi un indice d'évolution, mais c'est plus côté économique. C'est sur la thune. Et là, 91 milliards de millions de je sais pas quoi, tu vois. On a 2020, donc, ok. C'est l'année où, en fait, où on débute vraiment, 2025, c'est si on appuie sur le bouton pour avancer qui est tout en bas à droite. Mmh. 1-0, c'est la température qui augmente depuis 1750. Donc on est déjà à 1 degré. Et il ne faut pas donc dépasser les 3 degrés. 390, c'est les émissions de gaz à effet de serre par million en volume. Et enfin, la thune qu'on a. Donc évidemment, 788 $, c'est symbolique, hein, ils n'ont pas voulu faire un truc réaliste sur cette info. Si on regarde, on a de la télémétrie, avec plein d'autres informations, pour changer les données si on a envie. Et pour en savoir un petit peu plus. Donc pour l'instant, voilà, on a pas mal de trucs. Donc par exemple, sur la productivité, sur les 91 milliards, on peut voir qu'il y a 7 milliards qui viennent de l'agriculture, 28 de l'industrie, et l'essentiel du commerce, 56. En termes de développement, l'indice de développement humain est à 0,79 actuellement. Bon, puis voilà, t'as d'autres trucs de ce genre là quoi. Et tu peux changer tout ça. On peut aller ici, le reste est grisé parce qu'on n'a pas encore tout. On a un wiki sur le jeu. Waouh, ils étaient forts à l'époque, ils connaissaient déjà les wikis. Et on a les news qui te donnent des infos. Du genre, ok. 1 degré de... Ça y est, là, t'as une info, une news mondiale qui dit ça y est, on a atteint 1 degré de réchauffement climatique. Et en termes de population globale, hop, on a
eu 270 millions d'êtres humains en plus sur Terre, on vient d'atteindre donc 7,315 milliards plutôt de personnes sur Terre. C'est aussi simple que ça, pour l'instant sur l'interface. Donc la première chose à faire, évidemment, c'est recruter. On va aller sur le panneau recruter des agents vers les régions. Et là, on peut choisir. Tu vois qu'il y a différents petits pions qui indiquent le nombre d'agents que tu peux recruter par région. Et pour t'aider à choisir, tu as plein d'onglets. Les émissions annuelles de gaz à effet de serre. Tiens, qui est... qui sont les plus gros pollueurs? Bon, c'est la Chine en premier, 11. Ouais, la Chine de très très loin. Ouais, mais après t'as l'Amérique du Nord, et puis juste derrière t'as l'Europe. Ouais. Pas loin derrière, l'Amérique du Sud. Donc déjà, tu vois, ça dépend de ce qu'on veut faire, mais s'attaquer aux émissions de gaz à effet de serre, ce serait pas mal pour éviter les 3 degrés de plus. Donc ça veut dire que ces 4 régions sont sans doute là où il faut frapper le plus fort. On continue. Développement humain, voilà. On voit que... Ça, à la limite, on s'en branle pour le moment. On voit que c'est pas le plus important, en effet, sur ce scénario. On continue sur... Outlook, ça veut dire, en gros, la façon dont la population est d'accord pour changer d'attitude. Et on est donc sur un scénario... J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop besoin de faire quoi que ce soit, vu qu'ils ont tous flippé leur race. Ouais, voilà. On est sur un scénario où donc tout le monde est d'accord pour changer. C'est pour ça que je le considère comme plus simple que les autres, a priori, en tout cas. La stabilité. Alors la stabilité, c'est la stabilité économique et militaire, en gros. Donc, tu vois que l'Europe, c'est très stable, c'est-à-dire que c'est le meilleur endroit où vivre, avec la Chine. Mais... Ouais, mais bon, la Chine... Ah, mais c'est très stable. Après, c'est très stable, mais t'as pas envie de vivre dedans, quoi. Ouais. Si t'es un Européen, t'as pas envie de vivre là-bas. Ouais, mais bon, en gros, nous, ce qui nous intéresse, c'est que si c'est stable, ce sera pas le bordel, tu vois. On est l'ONU, quoi. Alors que le Moyen-Orient, c'est très instable. L'Afrique du Nord, c'est très instable. Donc ça veut dire que tu peux avoir des coups d'État militaire. Ce genre de choses. Ouais, faut peut-être... Si ce serait bien que ça soit un minimum stable, histoire qu'on puisse faire des trucs, quoi. C'est ça. Si c'est trop instable, en gros, on est dégagé de la région. Si on est dégagé de trop de régions, 7, je crois, on a perdu la partie. Ouais, mais après, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça va! Faut se faire dégager de la moitié. Ouais, mais bon, tu vas voir. Il suffit d'une grosse épidémie, ou bien d'une pandémie, ou bien d'une famine, et hop, t'as une région qui peut très vite basculer d'un côté ou de l'autre. Donc, tu vois, c'est au quotidien qu'il faut bosser quand même sur ces choses-là. On continue. Ça, c'est les besoins en gaz et en essence. Donc autant te dire, Amérique du Nord, Europe, ce sont les plus gros consommateurs et de loin, quoi. Ouais. Ouais. On continue. L'Amérique du Nord, ça a vraiment l'air d'être un problème à résoudre au niveau pollution actuellement. Et de toute manière, Amérique du Nord, Europe et Chine, ça a l'air d'être les trois gros facteurs problématiques. Ouais. En termes de pollution, mais après, faut gérer le développement humain dans les autres pays aussi. Exactement, faut avoir un œil partout, quoi. Ensuite, donc, ça, c'est la manne, en termes de, encore une fois, de pétrole et de gaz. Et on peut voir que c'est au Moyen-Orient et en Russie que se trouve l'essentiel des ressources. Et du coup, il faut réussir à stabiliser les situations là-bas pour pouvoir se servir. Et voilà, t'as tout simplement la raison pour laquelle le Moyen-Orient est surveillé en vrai IRL d'aussi près par beaucoup de superpuissances. Ensuite, le charbon utilisé. Donc autant dire que la Chine, bim. Uf. Ah ça, c'est pas bon pour nos affaires, ça. Non, en effet. On continue sur le charbon extrait. Et oui, Chine, mais aussi Amérique du Nord. On continue avec l'agriculture. Et alors l'agriculture, la Chine... Leur jet. Leur jet ? Le jet en haut, dans la typo. Ouais. Bon, ça me choque pas trop. Non, mais il est pas choquant, mais il est particulier. Et c'est qu'il veut... Il change par rapport aux autres caractères majuscules.
On dirait qu'il L'agriculture, c'est bien. Et l'agriculture, ouais, c'est bien, mais regarde le Japon, par exemple, ou l'Océanie, tu vois. Il y a peut-être des trucs à faire, tu vois. Ouais, mais je pense pas que ce soit la première priorité. Bah, que les gens bouffent, demande-leur si c'est pas leur priorité. Et d'ailleurs, en parlant de bouffe. Et ils ont qu'à boire de l'eau, c'est bon l'eau. Et En plus, il y en a de plus en plus. en parlant de bouffe locale, oui, mais encore faut-il qu'elle soit pas salée, quoi. En termes de bouffe Ouais, mais c'est des locale. Japonais, ils vont trouver un moyen, ils aiment bien la science. Ouais, bah, en Ils aiment bien la termes. science, mais pas trop les trucs sociaux. Ouais, bah, en termes de bouffe locale, c'est pareil, hein. Le Japon, tu vois, c'est les dernières, avec l'Afrique du Sud, notamment. Ensuite, on continue. Hop, ça, c'est les changements annuels pour la forêt. Si c'est négatif, ça veut dire qu'il y a de la perte de forêt. Donc autant dire que l'Amérique du Sud et l'Amazonie, bim. Ah ouais, ah là on a beaucoup beaucoup de taf à ce que je vois. En revanche, Amérique du Nord, pour le coup, là, ils font quelque chose de bien. Amérique du Nord et Chine, là, Oui, en effet. sur ce point, ils font un effort. Ouais, encore une fois, c'est des données réelles. Donc des fois, on a des surprises par rapport à nos imaginaires, mais ce sont des données réelles, ouais. Ensuite, les réfugiés climatiques. Donc pour l'instant, on est à Il n'y en a zéro, pas encore. mais les Maldives déjà disent qu'ils vont devoir faire une migration et qu'on va avoir les premiers réfugiés climatiques. Donc ça nous pollue. Ouais, Donc ça va voilà. faire mal, ça. Une fois qu'on sait tout ça, en effet, je suis d'accord avec toi. Europe, Amérique du Nord, Chine, c'est pas mal pour débuter. Ouais, mais je pense que pour les émissions annuelles, ça nous coûterait trop cher pour le moment d'envoyer des gens directement en Europe, parce qu'on a d'autres secteurs dans lesquels il faut envoyer des gens. Alors, où tu irais, toi? Déjà, je mettrais au moins un mec en Amérique du Nord et en Chine. Au moins un mec en Chine, ça c'est sûr. Bim, Ça nous 50. coûte combien? Ça nous coûte 50 par personne? Ouais. Donc, de toute manière, Ensuite, après. dans les autres trucs. Ouais. Après, il faut pas Mais. oublier que 50, ok, c'est un agent, mais il faudra payer les cartes aussi. Ok. Donc, Je garde ça en tête. Dans HDI, on a quoi? Imagine, je vais te le dire tout de suite après, mais imagine que 750, si tu divises par deux en disant moitié d'agent, moitié de carte, c'est-à-dire qu'on a 375 à dépenser maximum, quoi. Ouais, t'inquiète. Dans la feuille en dessous. Encore en dessous? Là, plus qu'on s'en Ouais. fiche. Attends, au pire, passe-moi la souris de 2 secondes, s'il te plaît. Ouais, attends, par sec. Tac, tac, tac. Ça y est, c'est bon. Merci. Ok. Alors, all in case need. Stabilité, ça on va en avoir vraiment besoin pour le coup. Voilà, je me dis, j'essaye de planifier un peu pour plus tard sans. Sans exploser les coûts, ouais. Parce que vaut mieux utiliser plusieurs cartes dans une région que qu'avoir des agents qui servent à rien, quoi. Ouais. Parce que là, je mets sur les trucs qui, je pense, vont être critiques. Parce que, en gros, du coup, je vais t'expliquer mon raisonnement. Pour le Ouais. moment, les émissions de CO2, la Chine, c'est, il faut vraiment faire quelque chose. Les États-Unis, ça serait bien. Ça serait bien parce qu'ils y mettent quand même beaucoup. L'Europe et l'Amérique du Sud, c'est moins extrême, du coup. Pour le moment, on laisse passer parce qu'on n'a pas les thunes, Alors, on est vraiment pauvre. c'est moins extrême, mais l'écart, il n'est pas aussi énorme que ça avec l'Amérique du Nord, en fait. Ouais, mais en fait, c'est surtout la Chine qui est problématique. Et attends, pourquoi il y a un mec là? Ah, mais en fait, ça envoie l'agent, quel que soit. Les agents, ils sont polyvalents. Oh, c'est Non. trop bien. Ils sont pas, Oh, c'est trop c'est pas bien. polyvalent, c'est un Regarde. par région. Non, oui, non, mais dans la région, ils font tout. Ah oui, bien sûr, ils sont C'est polyvalents à juste ce qu'ils sont là. niveau-là. Ah oui, complètement, Non, oui. j'étais en mode, attends, c'est un agent qui s'occupe spécifiquement des Non, émissions non, de non. CO2, là. Non, ce serait trop Ok, chaud. ça simplifie beaucoup.
Ah ouais, mais t'imagines, ce serait trop compliqué. Ah oui, non, mais là, j'étais vraiment en train de faire un truc, Mais ça. dispatch des agents en fonction Ouais. du besoin critique actuel et tout. Ouais, Non, mais... mais ça, c'est la réalité. Ok. C'est la réalité de nos moyens. On n'a pas assez de thunes pour faire des agents spécialisés. Si tu veux de la spécialisation, il faut plein d'agents. Mais vu qu'on n'a pas les moyens, non, il faut qu'ils sachent tout faire. C'est ça Ok, l'ONU, donc quoi. du coup, émission, il faut absolument qu'il y ait quelqu'un en Chine. Pour ça, absolument. On peut pas s'en passer. L'Amérique, ça serait bien que ça se bouge, parce qu'ils sont plus hauts que les autres. Mais et après, les autres, pour le moment, on va les laisser passer, mais faudra y aller après. L'indice de développement humain, pour le coup, pour le moment, je m'en fous. C'est vraiment pas mon problème. Ça, on n'en a rien à foutre, Tout est pour le positif, coup. ça va faire que baisser, mais tout est Ouais. positif, ouais. Stabilité, il nous faut quelqu'un au Moyen-Orient. Ouais, mais moi Très je dirais vite. aussi en Afrique du Nord. Il nous faudra quelqu'un en Afrique du Nord, mais ça nous coûte cher. Et en fait, c'est surtout que, en vrai, le Moyen-Orient, c'est vraiment un endroit. C'est central. C'est central et c'est tous les pays en ont besoin en fait. Donc si ça on n'y a plus accès, on pourra pas finir la partie. Exactement, ouais, je suis d'accord. C'est pour ça qu'il nous faut au moins quelqu'un. Ensuite, pour le charbon, il faudrait envoyer un autre mec en Chine, mais ça commence à faire cher Bon, et on peut 300 pas dollars, trop ça se va permettre. encore, hein. Il nous reste 488. Ouais, mais du coup. Et pour l'agriculture et tout, j'ai envie d'avoir un mec au Japon pour que les gens y mangent et tout. C'était où le truc pour manger? Ouais, la nourriture What the locale. fuck? Parce que c'est les plus bas avec l'Inde. Ouais. L'Inde aussi, il faudrait qu'on ait quelqu'un là-bas. En vrai, c'est plus critique d'envoyer un mec en Inde Bah, parce que quand leur tu indice de vois. Ouais. développement humain est beaucoup plus faible. Tout à fait. Ouais, non, l'Inde, c'est un plus gros problème que le Japon. Le Japon, enfin, je pense qu'on n'a pas grand-chose à y foutre. Je Si. pense qu'ils sont clean. Il y a un truc Mais pour l'Inde. qu'on aille foutre, c'est que ils développent des nouvelles technologies. C'est vrai. Mais en fait, Mais je pense que voilà. tant qu'on les fait pas chier, Mais ils sont on peut beaucoup plus gratter. stables. Regarde la stabilité, ils sont carrément stables par rapport aux autres. Ah oui, non, mais genre, le Japon, je pense, si on n'y touche pas, juste il nous aide, tu Ouais, vois. complètement, ouais. J'ai rarement perdu Et. le Japon en tant que région, en fait. Bah, je pense que le Japon et les États-Unis, c'est dur à perdre s'ils sont restrictifs comme ça. Sauf si tu les fais chier, je veux dire. Ouais. Genre, Vas-y. si tu leur dis, ouais, vous avez plus le droit de faire de l'import-export. Le Ouais. Japon, ils s'en battent les couilles parce qu'ils sont racistes. Et les États-Unis, ils vont te regarder et ils vont te dire, mais c'est notre raison d'être. On salue nos amis japonais au passage qui Mais non, écouteront. mais je dis ça pour rigoler, mais en vrai, c'est le Japon a toujours été, enfin, Fermé pendant période, longtemps, fermé au été monde. très refermé sur lui-même. Je Comme crois. l'Amérique du Nord, oui. Ouais, sauf que l'Amérique du Nord, à un moment, ils ont dit, le commerce, c'est bien le commerce. Les deux, à un moment, ils ont dit, c'est bien le Ouais, commerce, ils ont mais commencé à faire que du commerce. c'est quand Et ils les en avaient États-Unis, depuis beaucoup plus besoin. longtemps. Ouais, mais c'est quand ils en avaient besoin. Uniquement. Ouais. Mais voilà. Bref, ça te va, ce plan de recrutement? Carrément, tu peux appuyer sur le bouton recrute. Et bim. Du coup, Comment maintenant. ça marche les cartes? Et ouais, les cartes, c'est intéressant. Donc, clique tout en haut à gauche, on va voir. Je clique où? L'autre gauche. Ah oui. Voilà, et tu choisis une zone. Et là, tu vois que. Oh, tu as un nombre de cœurs pour t'indiquer le niveau de satisfaction par rapport à tes actions. Tu vois donc en vert leur état d'acceptation par rapport à l'inverse de donc look-up pour citer un truc réel. Restrictif donc voilà, la stabilité, la satisfaction c'est lié notamment à la consommation et puis leur attitude défensive ou autre, etc. Et puis ici, ouais, tu peux essayer de voir là cet endroit-là, mais je crois que là, si tu cliques, il se passe rien pour l'instant. Ouais, Par tout à fait. contre, pour obtenir des cartes, eh bien en haut à gauche, tu vois qu'il y a un card qui est apparu. Et bim, là, tu as des cartes à disposition. Donc, tu as un système de filtre pour aller plus vite. C'est que tu peux choisir le type d'action. En vert, tu as ce qui
touches. Donc, les projets, c'est des gros projets. C'est le premier truc. Si tu cliques dessus, vas-y. Voilà, ça le décoche. Ça te montrera moins de cartes. Si tu la recoches, voilà. Ensuite, le bouton... Attends, c'est plus des gros projets, là, non ? Alors, c'est parce que tu es avec ça. Mais par contre, si tu cliques sur l'un d'entre eux, hop là. Ensuite, l'un des boutons les plus utiles... Ah oui, non, mais c'est... ça les coche, justement. Enfin, voilà. Ça dit, il ne faut que ça. Voilà. Par contre, si tu veux avoir le bouton le plus utile du jeu, je te conseille de cocher sur Affordable. Qui veut dire, en gros, je peux me le payer. Quoi. Oui. Tout simplement. Et voilà. Donc, en vert, tu as ce qui va concerner l'environnement, l'agriculture. En bleu, tu vas avoir les technologies. Et c'est en jaune, les ressources. Donc, l'énergie aussi. Là, tout ce qui est sociétal, en rouge. Et enfin, politique, en gris. Et politique, ça concerne notamment même les interventions militaires, d'ailleurs. Donc, on avait mis sur l'Amérique pour quoi déjà ? L'Amérique du Nord, c'était le CO2. C'était le CO2, il n'y avait rien d'autre ? Bah non, c'était l'essentiel en fait. Ok. Et après, donc, tu vois qu'il y a plusieurs cartes. Il y en a un, c'est le premier, c'est décider d'installer nos quartiers généraux à dans cette région-là. Tu peux aller tout à gauche. Et là, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça débloque des politiques supplémentaires. Et tu peux évidemment mettre un QG que dans une seule zone. Donc ça va pas avoir un impact sur la région en particulier. C'est juste que ça va te débloquer d'autres cartes. Donc, de toute manière, il faut choisir le QG et la zone où le mettre. Ouais, mais ça coûte cher. Par contre, ça coûte 100$. Mais voilà, ça je t'avais dit... Mais le QG, c'est le meilleur moyen de débloquer des nouvelles cartes. Les cartes, c'est partout pareil. C'est partout pareil. Là, te prends pas la tête. Ok. Donc voilà. Ensuite, tu as le choix d'une carte qui te dit on va vers le nucléaire ou bien on va vers le renouvelable. Troisième. En Amérique du Nord, c'est mieux d'aller vers le renouvelable parce qu'ils auraient tellement de consommation d'uranium que ce serait pas possible. Bah ouais, tu vois, là, ça dépend de ce que tu veux faire. Je pense que là-dessus, on va parler comme ça. Amérique latine, on était notamment sur des problèmes de déforestation et de bouffe. On va sûrement partir là. Donc c'est plutôt du vert, en fait, qu'il te faudrait. Révolution végétarienne. Oh, parce que c'est vrai que l'agriculture, ça fout la merde aussi. Bah là, c'est pas l'agriculture. En Europe. C'est pas l'agriculture, là. C'est l'agriculture animale, uniquement. Ouais. On met ça en Amérique et en Europe. Bah tu pourras en mettre qu'une seule à la fois, je crois. Oui, non mais faudra, je veux dire. Ouais. Sinon, ça débloque des nouvelles cartes vertes. Pour la défense de l'environnement et les politiques d'adaptation. Ça c'est bien, mais ça pour un moment j'ai envie de dire protéger les forêts. Ok. Afrique du Nord, c'était quoi le problème ? L'instabilité. Putain, j'ai Alzheimer, c'est terrible. C'est l'instabilité politique. Donc là, je te conseille d'aller vers le gris. Non, c'est Middle East, l'instabilité. Non, c'est les deux. C'est les deux. Oui, non, mais c'est plus Middle East que je veux d'abord. Dans ce cas-là, je te conseille Political Office pour débloquer des nouvelles cartes de sécurité, notamment. Ok, parfait. Amérique du Nord, il y avait quoi d'autre ? Afrique du Nord, c'était vraiment... Non, ouais. Bah, t'as le développement économique qui est pas mal en rouge. Attends, est-ce que je peux revenir sur l'écran d'avant ? Oui. Ouais, tous les onglets sont abordables. C'est où ? Ah ! Non, c'est ça. Ouais, okay. C'est de la terre, ouais. Et bien cet écran. Du coup, pourquoi on a mis ça ? On a mis ça pour la politique comme ça ? Ouais, la politique, et puis regarde le HDI, tu vois, il y a besoin d'éducation, il y a besoin d'éducation, quoi. Ouais. Et les forêts aussi. Les forêts, c'est la merde. À la limite, la carte verte. Ça coûte 25 tous les ans pendant 5 ans. Par contre. Mais ça vaut la peine. C'est-à-dire que ça te coûte 100$, mais sur 5, sur 125$, mais sur 5 ans. Non, je l'enlève. Non. Attends, t'es sur Afrique du Nord, ouais.
Bah, ouais, soit... Pour en Amérique du Nord, j'ai plus envie de mettre de l'éducation d'abord. Bah, alors, dans ce cas-là, c'est le rouge. Régional. Enfin, oui, c'est lié. C'est-à-dire que là, en gros, c'est l'économie qui va bouger, ce qui va te permettre de débloquer des cartes en social, notamment. En gros, c'est tu fais de la thune d'abord et ça te permet de créer des politiques sociales, quoi. Inde. Bon, l'Inde, ils ont un peu tous les problèmes à la fois, mais pas aussi violents qu'ailleurs. Mais c'était le problème de la bouffe, notamment. Et là, bah, la révolution végétarienne, en effet, pour éviter, par exemple, de bouffer des vaches tout le temps. Je caricature, évidemment, mais c'est une piste. Ouais, je sais pas, c'est le premier truc dont on a besoin. Il y a beaucoup de problèmes. Déjà, Chine. S'il vous plaît, Chine. Chine, c'était la pollution. Si, il y avait pollution, il y avait aussi un autre gros problème. C'était quoi le problème en Chine? J'arrive plus à me rappeler là-dessus. C'est pas les arbres. Les arbres, oui, non. Au contraire, c'était l'un des seuls positifs avec l'Amérique du Nord. Ouais, c'est ce que je dis, c'est pas les arbres. C'est stable. C'est un bon indice. Mais par contre, la Chine, peut-être que l'une des solutions, ce serait la technologie. Puisque comme ils ont beaucoup de ressources, autant rationaliser... Oui, ils utilisent tellement de charbon. Même. Voilà. Autant rationaliser ce qu'ils utilisent. Et par exemple, regarde, Synthetic Oils Programme, c'est du pétrole synthétique. Donc ça... C'est Toxicity and Emissions. Par contre, voilà, c'est ça le problème. Ouais, non, c'est quoi ça? Et ça, ça débloque des cartes bleues pour les technologies, pour améliorer notamment la capture de CO2. Donc super utile. Je vois. C'est du charbon qu'ils utilisent ou de l'huile? Ah, t'avais Coal Free Industry pour le coup. Ouais, Coal Free Industry, je pense que c'est là-dessus qu'on va partir. Ouais. Alors là, par contre, ça va les changer. Je pense qu'on est bien. Là. Alors, il te reste 208 et t'as l'Inde encore. Ah ouais, il y a l'Inde, c'était quoi le problème en Inde? Alors, l'Inde, ils ont plusieurs problèmes à la fois. Ils sont un peu mauvais partout, quoi, mais pas super mauvais non plus. Mais par exemple, regarde l'agriculture et la nourriture locale. Ouais. Ah, la nourriture locale, c'est horrible. Nourriture locale. C'est... Ouais. Ils sont allés au même niveau que le Japon, tu vois. Ouais, ce qui est mauvais pour eux. Donc peut-être en Inde... Pas trop de charbon. Retourne sur l'Inde pour voir les cartes disponibles. Bah, la révolution végétarienne. Ouais, je pense qu'on va mettre ça. On est bon là? Ouais, tu peux appuyer tout en bas à droite. Et hop, émission de température augmente. On a atteint le seuil de rentabilité maximale du pétrole. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas produire plus. Le méthane se déverse partout en Arctique à cause de la fonte des glaces. La population globale continue à augmenter. On est à 7,6 milliards. Par contre, en Europe, on a réussi à faire une découverte technique qui permet de forer plus efficacement les ressources fossiles. Ouais, les ressources fossiles. Donc là, tu vois des trucs. Si t'as du vert, ça veut dire qu'on est mieux accepté. Ou plutôt qu'on est mieux accepté, on a mieux réussi par rapport à nos objectifs pour les émissions de gaz à effet de serre. Si c'est en rouge, par contre, on est en retard. Regarde à quel point ils ont dépassé, là. Ouais, l'Asie du Sud, c'est horrible. Parce que au début, je me suis dit, ouais, t'as vu l'Europe, ça se voit qu'ils ont dépassé par rapport à là, mais putain. Ouais. En revanche, Amérique du Nord, chapeau. Ah bah, baisse de 8%. Ensuite, ça c'est la manière dont on est accepté. Donc les choses se passent bien, mais par contre, au Moyen-Orient, on a perdu un cœur. Ou on est sur le point de le perdre plutôt.
Ouais, mais faut vraiment qu'on fasse quelque chose à propos de cette merde. Hein. Alors, on est à 607$. Déjà, allons voir les cartes qu'on peut utiliser. Alors, regarde en haut à gauche. Si t'as un point vert, ça veut dire que t'as une carte qui est toujours active, donc ça sert à rien d'y retourner, ou qu'elle finisse son effet. Donc concentre-toi sur les autres d'abord. C'est quoi ça? Ça, c'est les news. Bord. Donc, ça parle de... d'inondation. Ça parle d'augmentation de la population qui provoque des soucis. Ça parle de stabilisation de la situation au Moyen-Orient, bonne nouvelle. Et ça parle d'avancées technologiques au Moyen-Orient, c'est-à-dire que le niveau technologique de développement augmente au Moyen-Orient. Ah non, au contraire. Si c'est rouge, c'est le contraire. Ils n'arrivent pas à évoluer avec les nouvelles technologies. Moyen-Orient... Mes cartes, qu'est-ce que je peux y faire? Regarde le gris. Le gris. Oui, le gris, ça veut dire combattre le fait que ce soit très instable, avec de la sécurité notamment. Là, tu vois, ça augmente la sécurité de fournir une assistance en sécurité. C'est la meilleure carte, à mon avis, pour la situation. Ouais, et du coup, il disait quoi? Il disait que... Farms and houses... Ouais, on aurait pu faire mieux! Ouais, bah ça, dès qu'on réussit pas un truc, on sera critiqué, hein, c'est ça l'ONU. Oui, comme d'hab. L'Afrique du Nord. Ok. Très instable aussi. Qu'est-ce qu'on voulait faire en Afrique du Nord déjà ? L'instabilité notamment, donc c'est gris aussi, je dirais. Ouais, mais on a rien. Tu peux débloquer des nouvelles cartes. Ouais. Et ça coûte pas super cher, 125$ sur 5 ans. Bon. Faut recruter. Alors, l'Asie du Sud-Est, t'en as parlé. Moi, je dirais l'Asie du Sud-Est, c'est un bon plan parce qu'ils sont à 5,7. Ouais, c'est où l'Asie du Sud-Est? C'est entre l'Inde et l'Océanie. Ça, là? Ouais. L'Afrique du Sud, très instable. On est juste en train d'envoyer des militaires partout. Ça va pas suffire, mais c'est nécessaire. Pourquoi ça clignote? Parce qu'on a des nouvelles news. Mais c'est celles qu'on a déjà vues. Ouais, mais ça c'est... consommation. Il nous faut des mecs là et là. Hein. Pour faire baisser la consommation. Comme ça, ça te va ? Eh ben, j'hésiterais entre en mettre un deuxième en Europe ou en mettre un en Russie, en fait. C'est vrai qu'on n'a rien fait en Russie, on n'y a pas touché. Et regarde, la nourriture en Russie, c'est aussi la cata. Ouais, certes. Mais c'est pas un mauvais choix d'en mettre un deuxième en Europe non plus. Hein. C'est... Ouais, parce qu'en Europe, on a beaucoup de trucs à faire. Ouais, moi, voilà. Je pense comme ça. Bah vas-y, je suis d'accord avec toi. Nouvelle carte. Yaha. Europe. Alors, politique, on s'en fout. Je pense qu'il nous faut du renouvelable. Je pense renouvelable forêt là. N'oublie pas le QG. N'oublie pas le QG pour débloquer des nouvelles cartes aussi. Ah, on peut mettre un QG. En vrai, il faudrait. Non, on n'a pas le budget cette année. Si. Il nous reste 232, non, parce c'est que là, il faut encore que je mette là. Ah oui, d'accord, je vois. J'aurai jamais le budget. Il faut qu'on mette ça. Moi, je dirais Asie du Sud en premier pour choisir, parce que c'est les plus critiques. C'est vrai. Asie, pas Afrique, ouais.
Ouais, mais il y avait Sud. Ouais, je comprends. J'aurais fait la même. Et là, Environmental Protection Office pour débloquer des cartes. Il nous faut ça aussi, politique. Tu peux en mettre une deuxième si tu veux. Et ça aussi, il nous faut la politique. Il reste l'Europe. Attends, faut qu'on fasse monter les niveaux de. Il reste Europe et Amérique du Nord. On peut mettre Attends. 50 par Non, là prochain. j'ai pas besoin de ça là. Ben, en Asie du Sud, je me Parce que demandais je suis. pourquoi tu mettais politique, ouais. Ouais, mais parce que je suis con, j'ai confondu avec l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'il veut aller ici? En Asie du Sud, t'as la bouffe aussi qui peut être utile. C'est ressources. C'est en jaune et en rouge. National Energy Rouge, Resources. c'est important pour le développement. Ouais, t'as la révolution végétarienne qui est pas mal. Ou sinon, welfare, c'est l'éducation, la santé, donc c'est cool aussi. Amérique du Nord, je voulais mettre quoi? Ah, t'as la taxe Tobin, mais par contre, elle coûte cher. Enfin, elle coûte cher. Elle te rapporte de l'argent. En gros, c'est la taxe sur les super profits dont on nous parle en ce moment, quoi. Non. Mais on perdra du soutien si on le fait auprès des puissants. Ouais, mais les puissants, ils peuvent aller se faire mettre. Et bah, dans ce cas-là, vas-y, go, taxe Tobin. Bah, j'avais envie de faire avancer la situation pour le Ah bah moment. alors, dans ce cas-là, protect land and soil and forest. Pour les émissions de gaz à effet de serre, parce qu'ils en ont vachement besoin encore. Moi, je pensais réduire leur consommation d'huile, mais je sais pas comment faire ça. Réduire la consommation d'huile. Ah, reviens en arrière. Environmental Protection Office. Ou bien. Ouais, c'est. Là, ça débloque des cartes pour la nourriture et tout ce qui est environnement. Ouais. Et Europe Europe, moi je pense que miser sur la technologie pour réduire les coûts, c'est une bonne chose aussi. Parce que ça permet de capter du CO2. Ouais, et puis l'Europe, il disait qu'il s'est fait des avancées et tout. Trop intelligent en Europe. Agriculture ressources undersupplied. Quoi? Ça veut dire qu'en gros, on pourrait faire mieux en agriculture et en industrie. Ouais. Ouais, en Europe, ils nous aiment bien, ouais. En transportation et power station burning fossil Ouais, par fuel. contre, en Europe, on n'est pas bon en pollution de l'air. Ouais. En vrai, attends. Ce serait pas mieux de mettre des transports électriques? Ah, mais non, parce qu'après, ça augmente la consommation en Ouais, mais électricité. tu connais Et après, le. ça réduit beaucoup la consommation d'essence. Ça réduit la consommation d'essence, mais l'électricité, c'est basé sur du lithium et c'est pas une solution de long terme. Ouais, mais c'est une bonne solution à C'est court une terme. solution à court et moyen terme. Je pense qu'on va mettre ça pour le début. Vas-y. Là, comme ça te semble bien. Ouais, go. Ça Augmentation. monte, ça monte. Une semaine d'artisanat free. Uf. Toujours plus de monde. Ah, Et une énergie. évolution technique au Japon. Japon trop fort. Ouh. Ouh, 21% en moins en Europe, génial. Voiture électrique trop forte. On est bien, on est bien. On est bien aussi dans Salut. l'acceptation. Ok. Faut qu'on plante notre QG maintenant. On le met où? Franchement, ça n'a pas d'impact sur notre acceptation ou sur autre chose. Donc on Donc. met juste un moment, on n'a pas trop besoin de mettre de faire d'action à ce tour-là. Exactement, ouais. Donc en général, moi je fais Japon, Europe ou Amérique du Nord. Et plutôt Europe ou Amérique du Nord. Je pense que ça va sûrement partir sur Europe actuellement. Stabilité, c'en est où? Maintenant, c'est stable au Moyen-Orient. Ouais, ça c'est cool, hein. C'est une Ça bonne marche nouvelle. bien de mettre des militaires partout.
qu'est-ce qu'ils nous disent. Là, c'est les news qu'on a lu tout à l'heure. Fonte des glaces, quoi. Ouais, déjà, on va y jouer nos cartes. Ouais. Cartes. Est-ce qu'ils utilisent du charbon? Charbon. Non, ouais. Ils utilisent pas beaucoup de charbon, mais ils en utilisent un peu quand même. Si tu compares par rapport au reste du monde, ils en utilisent. Ouais, ouais. C'est juste que je compare à la Chine. Mais je pense que ça, c'est war. Par contre, regarde, lis jusqu'au bout. Regarde en rouge. Ah, ouais. Mais ça vaut la peine, hein. Je dis juste qu'il y a un effet négatif. Mais ça vaut la peine. Europe. C'est quoi ça? Bah là, tu peux faire le QG sinon. Supply tech for... Ouais, c'est des technologies nouvelles. Ouais, Energy Research Program, c'est excellent. Ouais, est-ce qu'on... Ah, j'ai dit, est-ce qu'on peut le faire en Japon, mais on n'a pas d'agent au Japon. Eh ouais, il faudra en mettre un là-bas. Mais enfin, il faut vraiment qu'on pose notre QG. Par contre, ouais, le QG, je pense que c'est important. Surtout que les dernières cartes que tu as vues, en fait, il y avait un symbole Mobius à droite qui veut dire que c'est jusqu'au bout du jeu. Ça te prend un slot et ça te coûtera 25$ tous les ans, en fait. Ouais, mais c'est... si ça nous apporte de bonnes technologies... Ah, c'est complètement worth. Mais je dis juste que ça a un coût, quoi. Mais il faut peut-être faire des trucs un peu brutaux au départ. Et une fois, alors, plutôt que des trucs sur du long terme. Quoi. Afrique du Nord. Alors, ils sont très instables, donc regarde vers le gris, peut-être, ou sinon vers du rouge. Ok. On mettra autre chose, mais pour l'instant, c'est juste... Là, ils sont très, très instables. Ouais, ils sont très instables aussi. Instables. Inde, je sais pas. Bah, tu peux débloquer la carte office politique pour en vue de la prochaine du prochain tour. Ouais. Là c'est stable, c'est bien. Ouais, mais là je sais plus qu'ils ont ce dont ils ont. Ils ont besoin de se développer économiquement. Hein. Le rouge. Si tu leur fais pas du job, t'auras des nouveaux problèmes de stabilité. Surtout, j'aurais aussi des problèmes de. Ils m'aiment pas. Ouais, mais justement, si tu leur fais de la santé, de l'éducation, ils vont t'apprécier. Regarde, t'as un plus cœur avec sur la carte rouge. Donc plus cœur, ça veut dire qu'on réobtient un cœur. C'était quoi leur problème à eux? Ils ont un peu tous les problèmes, mais ils avaient un gros problème de environnemental et pollution. Donc là, par exemple, le Water Management Program, ouais, ceux en vert, en gros. Tu peux choisir vert et cliquer sur le cercle vert et puis on choisira un parmi tout cela. Dans le tas Water Management Program, il n'y a pas d'effet négatif. Ouais, mais attends. Parce que c'est rigolo, mais ça protège l'agriculture, et l'agriculture... Bah ça protège l'eau, ça protège l'agriculture, c'est tout bon, quoi. Ouais, c'était quel endroit? C'était Asie du Sud. Asie du Sud? Oh, ils sont à 1000. Bah non, ils sont à 820. Ils sont à 820. Hein. Attends. Ils font partie des plus bas. Attends, dis pas le... Ils font partie des plus bas, hein, clairement. Attends, Asie du Sud. Ouais, 820 millions, milliards. Bon, pas les plus bas, mais par rapport à leurs besoins, c'est surtout ça. Regarde le juste en dessous, l'onglet en dessous. Voilà, c'est ça qui compte. Attends, on regarde quel endroit, là. Là, c'est la nourriture locale. Tu vois qu'ils sont dans la merde, ouais, parce qu'ils sont que 548$. Ouais, ils sont qu'à 548$, c'est-à-dire que c'est les deuxièmes plus faibles après le Japon. Non, ça, c'est l'Inde. Ah oui, pardon, je raconte n'importe quoi. Non, je comprends le l'Inde, moi. T'as raison. Non, ils sont bons côté. Ah, là-dessus. Mais les forêts! Ah, les forêts, c'est la cata, putain. Dur. Ah, les forêts! Eh ben.
Ouais, si Draught, attends, reviens sur vert. Celui à droite, ça permet d'empêcher les départs de feu. Ouais. Et il nous faut les forêts. Ouais, carrément. Alors on okay, est bon. Ok, maintenant des agents. On est bon là-dessus. Tu peux remonter sur la pollution tout en haut. La Russie, ça pourrait être le moment. Russie, tu crois ? Bah, la Russie, ou sinon le Japon pour la technique, mais... Japon, je pense qu'on en a besoin pour la technologie. Bah vas-y, les deux, et puis c'est bon. On fait ça pour le moment. La Russie, on y fait quoi ? Déjà, Japon, je vais aller planter ma tech. Est-ce que ça vaudrait pas la peine de mettre en place la tech Tobin pour obtenir plus de thunes au tour suivant ? En Russie. Ça va faire chier. Ouais, mais t'as dit que tu t'en foutais. Non mais oui, mais on... Ok. J'ai pas envie que le premier truc qu'on fasse dans le pays, ce soit leur péter de la tête. Ok, ok. Donc dans ce cas-là, je pense que Regional Welfare Office, ce serait pas mal. Tu crois ? Ouais, parce que... C'est pas le problème, la Russie. Ouais, mais ça nous offre un cœur, déjà. Pour être apprécié. Donc ça veut dire c'est qu'on bien, sera plus... Après, on peut reprendre d'argent derrière. Exactement. T'es malin, Vargas, t'es malin. Je suis un bâtard, mais je l'assume. Non, mais je comprends. Hein. Faut qu'on arrive à encore réduire la consommation de charbon en Chine. La Chine, c'est tellement un problème, mec. C'est clair. Faudra remettre une carte call free, en fait. Attends, j'ai limite envie de recruter un mec maintenant. Bah, 129, tu peux, même si tu veux pas de carte derrière. Mais ouais, tu... mais en fait, il y a peut-être des trucs qui vont être plus chers, j'ai besoin de garder un peu de thunes. Bah ouais, ouais. Non, mais ça peut te voir. Les deux sont valables pour moi. Tu peux tout à fait recruter un agent, jouer une carte et te dire, on va pas tout faire au tour suivant et je gère que les trucs les plus chauds. Ouais, après, est-ce que j'ai pas envie de mettre quelqu'un en Océanie ? Et après... C'est quoi le problème de l'Océanie, d'ailleurs ? Après, concrètement, si on fait une taxe Tobin au tour suivant, on aura de la thune. C'est instantané, la taxe Tobin ? Bah, regarde le nombre d'années dessus. Si c'est 25 ans, oui. Ah, c'est instantané. Mais là, instantané. C'est même... Bah voilà, tu vois. Donc, ça permet d'obtenir 100 directs. Ok, donc on va peut-être envoyer quelqu'un, genre... Après, la Russie, c'est vraiment pas le plus gros problème. Genre, ils ont des ressources. J'ai envie de dire, ça serait peut-être pas mal d'aller planter un... D'aller... On a fait quoi en Russie ? On a... Ouais, j'ai juste envie d'aller planter des arbres en Russie, là. Sinon, moi je dirais plutôt que d'en mettre un deuxième en Russie, mais en un au Moyen-Orient. C'est trop central. Moyen-Orient ? Ouais, parce que c'est trop central. On y fait quoi au Moyen-Orient ? Bah, regarde ce qu'il y a à disposition. On peut faire du nucléaire, renouvelable, forêt, émission de carbone. Non, encore. Et c'est rouge. Et c'est le rouge. En rouge, il n'y a rien en rouge. Bah on ouais. En train de faire le truc. Justement, donc ça veut dire que ce sera la prochaine étape. En attendant, et c'est le jaune. L'énergie. Et qu'on mette... Carrément l'énergie. Pas con le Vargas. Parce que ils ont plein d'énergie, mais elle va servir à tout le monde. Donc il faut aussi préparer leur transition. Ou bien technologie. Parce que tu vois, technologie, on est déjà en train de faire. On va sûrement faire ça en Europe et au Japon, je pense pas que ce soit. Ouais, mais regarde, t'as une news qui dit le Moyen-Orient, la tech avance à pas de. Voilà, avance pas du tout, quoi. Ouais, effectivement, c'est peut-être mieux de mettre de la technologie pour qu'ils nous aiment. Bah, parce qu'ils sont à la bourre, ouais, carrément. Bah, tu peux faire bleu, ou ouais, voilà. Ouais, ils vont nous aimer. Impeccable. On a besoin qu'ils nous aiment parce qu'on a besoin de rester dedans. Exactement. C'est quoi c'est... Oh, ouais, c'est ça. On a toujours ce problème là, hein, de gens qui meurent. Ouais. Après, au final, c'est pas si grave parce que s'ils meurent, il y a moins de monde. S'il y a moins de monde, il y a moins de consommation.
Ouais, mais s'il y a trop de gens qui meurent, c'est là où on est viré, quoi. Certes, mais si c'est que dans un pays, c'est pas grave. Alors, regarde les zones qui ont changé, là. Bon sang, en Orient, là. Ah, dur, la Chine. La Chine et le Moyen-Orient, c'est chaud. Bon, on passe le tour. Ouais. Oh, il y a une baisse en température. Prévue pour 2100. Ouais, c'est bien, c'est juste qu'il faut que ça atténue là, quoi. Ouais, c'est ça, là on est mal pour 2100 en fait. Global oil supply is rising again. Ouais, la production de pétrole remonte. On a atteint les 8 milliards. Europe, allez, le QG est fondé. Ils sont contents d'être importants, ouais. Et oui, votre excellence. That carbon capture and sequestration technology is ready for implementation. Ouais, excellent. Oh oh. Excellent. Alors, attends. Là... Ah, mais putain, qu'est-ce que vous branlez? Ouais, la Chine aussi, c'est pas terrible. Hein. En revanche, là, c'est mieux. Oh, l'Afrique du Sud, au secours. L'Amérique du Nord, au secours. Au moins, l'Asie du Sud, c'est géré. Mais la Chine, regarde à quel point ils sont hauts déjà. Non, mais la Chine, il va vraiment falloir faire quelque chose. En revanche, l'Europe, ils nous adorent. Ouais, c'est bon, on n'est pas obligé de jouer en Europe au tour suivant. Le Japon, c'est pareil. Alors, j'ai vraiment envie de mettre un mec en Chine, là. Well, gas production peaks... Moi, je dirais, mets d'abord des cartes. C'est la bonne strat. Ouais. Ah, la moisson est... Ah, la moisson est interrompue par le phénomène El Niño. Donc là, t'as des nouvelles cartes. Du genre Robotics Research Program pour utiliser, voilà. Moi, je dirais la taxe de bine. Allez. Taxe. Ah oui, il nous adore. Mais j'ai... Gros, j'ai 600 balles. Ouais, bah justement, elle va te donner 100 balles. Du coup, on fera ça à la fin. Bah, tu peux la faire maintenant parce que tu payes pas pour la poser. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est si je vois que j'en ai besoin. Mais t'en auras besoin. Si je vois que j'en ai besoin pour ce que je veux faire. Ah, t'en auras besoin. Certainement. Moi, je dis, pas besoin de jouer en Europe une carte qui coûte. Autant mettre en Europe une carte qui récupère de la thune. Absorbe CO2 et improve... Ouais, elle est super, cette carte. Ouais, ça a l'air. On passe en biomasse plutôt qu'en charbon. Ouais, ça je pense c'est obligé à mettre partout, genre. Si c'est possible. Ça a l'air d'être possible. Alors là, t'as débloqué du rouge, je pense que c'est un bon moment aussi, mais c'est vrai que c'est instable, ouais. Regarde l'Afrique ouais, du Sud. Un mec. De quoi? L'Afrique du Sud, regarde si c'est plus instable. Ouais, ça va. C'est even, mais... Non, mais mets pas du gris là. Ouais, non. C'est juste encore c'est instable qu'il faut le faire. On a trop de choses à faire pour gérer ça. Ouais, Regional Welfare, je pense que c'est un bon plan. En Russie, on voulait faire quoi? On voulait aussi mettre des arbres. Eco Awareness Campaigns, c'est pas nécessaire parce qu'on est déjà en vert. Ils sont joyeux, etc. Moi, je dirais, misons sur de la techno ou sur de l'environnement, du vert hein, ou du bleu. Ouais, je pense du vert, personnellement. Bah, appuie sur le vert. Et bah, bim. Comme ça, on aura plus de cartes. Ouais. Middle East. Alors, c'est stable, ça c'est une bonne nouvelle. On a débloqué c'était de la techno. Le problème ici. Bah, ils avaient pas de techno. Et maintenant, ils en ont. Ah oui. Par contre, elle coûte plus cher puisque c'est 25$ tous les ans, quoi. Ouais, mais vu que c'est ici qu'il y a toutes les ressources, autant les faire bien. Ouais, je suis d'accord. Donc, si tu veux ressources, va sur jaune. Pour compléter. Et là. Voilà, ce qu'on n'avait pas fait la dernière fois, mais on hésitait à le faire.
Ouais, Inde, c'était quoi le problème en Inde? Inde, ils ont tous les problèmes, ils sont instables, donc là, le gris, ça peut valoir la peine. Asie du Sud. Bon, Asie du Sud, c'est, le problème n'est plus l'environnement. Tu peux appuyer sur la planète pour réavoir les infos, parce qu'il y a un autre problème par contre avec eux. Ah non, c'est pas ce truc-là. Appuie sur la flèche. Encore. Tu veux ça ? Ouais, voilà. Ouais, je m'étais planté. Asie du Sud. Il n'y a pas d'arbre. Il n'y a pas d'arbre, voilà, bah si. Il y a à bouffer. Ouais, mais les arbres, c'est trop important pour le CO2. Il faut aussi qu'on réduise la pollution de l'agriculture, je pense. Parce que comme ils font beaucoup d'agriculture, si on réduit la consommation de... On peut faire d'une pierre deux coups, passer en mode ferme organique. Ouais. Est-ce qu'on peut faire ça actuellement ? Alors, on a les cartes ? Oui, parce qu'on a débloqué les vertes. Oh. Switch to organic farming. Ça va réduire les terres qui sont consommées, et donc ça va réduire aussi la pollution. Japon, j'ai envie de... La techno. Japon, j'ai envie de faire qu'ils mangent. Ouais, c'est important aussi, j'avoue. Europe. Ils utilisent du charbon. Charbon. Un peu. Non, mais taxe Tobin. Tu veux vraiment la mettre, la taxe Tobin? Mais carrément, je veux plus de thunes. Bon, bah, c'est parti, on met la taxe Tobin. Eh, tu te rends compte qu'on est en 2035 et qu'on n'est toujours pas dans les clous pour gérer la situation en 2100 alors qu'on doit la gérer jusqu'en 2200, hein? Ah non, mais c'est compliqué, hein. Donc si on prend trop de temps... Recruter des agents. On a fait quoi en Russie ? La nouvelle FR Rose. Ok. Ah, bah ils ont un problème de santé. Ouais, ils ont un problème de santé en Russie. Ouais, on va envoyer quelqu'un en Russie. Ah, mais j'ai fermé ce menu, du coup j'ai annulé mes changements. Ou je les ai recrutés. Bah, regarde ta thune. J'ai juste perdu l'argent. Non. S'ils ont été recrutés, ils ont été recrutés. Mais regarde, t'as eu ton troisième en Chine, donc il a été recruté. Il n'y a pas le bouton. D'accord, ça n'a pas actualisé les petits boutons. Bah, les petits boutons, en fait, c'est qu'à partir du moment où tu as une carte, ce sera vert. Ah, ok. Attends, avant. Ouais, pour refaire les régions, pour faire les deuxièmes cartes. Donc, Russie, clairement, Medical Welfare Programme, il n'y a pas de problème. Ensuite, Chine. Protect land, soil, and forest, je pense. Quoi ? Ouais, carrément, parce qu'ils en ont encore besoin. Amérique latine, ça fait un moment qu'on n'a pas fait un truc cool. Et ils ont beaucoup de problèmes. C'était quoi leur problème déjà, justement ? Bah, ils ont tous les problèmes. C'est la forêt, surtout. Forêt. Bon, ils bouffent un peu quand même. Charbon, ils utilisent pas trop de charbon, ça va. Non. En revanche, ils utilisent pas mal de... Bah, ils importent, quoi. Ils importent, ouais. Donc le grand problème, c'est qu'ils importent encore du pétrole. Il y a ça, ou sinon, il y a le rouge aussi pour développer leur économie. Ouais... J'ai plus envie de les faire arrêter d'utiliser du pétrole, moi. Bah dans ce cas-là, Environmental Protection Office, ça va être nécessaire aussi pour eux, tu vois. Construire
trucs partout, c'est une dinguerie. J'ai tout mis mes cartes. J'ai pas recruté de nouveaux mecs. Bah là, on vient de faire les cartes des nouveaux mecs recrutés. Il te reste 143$, tu pourrais recruter encore une personne pour lui faire jouer une carte. J'avoue, j'ai fermé Discord comme un débile. Ok. Mais parce que je suis allé à gauche de mon écran et puis j'ai cliqué et c'était sur la croix rouge de Discord. Je disais donc, qu'est-ce que je disais? Afrique du Sud. Afrique du Sud. Donc là... C'était quoi le problème? Ils ont plein de problèmes. Regarde les émissions de gaz à effet de serre déjà. C'est le même niveau que l'Europe. Les arbres. Et la feuille, ouais, et les arbres. Donc vert. Je... Ouais, c'est bien. Et je veux mettre ça aussi. Bah ouais, mais là, il te reste 93$. Hein. Mais vas-y, vas-y. Afrique du Sud, un agent. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que... Bah ça coûte cher. Bah ouais. Ça coûte cher, oui, mais ils ont... Mais c'est indispensable. Le but, c'est pas de garder de la thune. Hein. Tu t'obtiens pas plus points en gardant de la thune, de toute façon. Austérité day protest across... Ouais, l'austérité, ouais, donc il faudra du rouge en Afrique du Sud après, ouais. Ouais, mais on est en train d'en mettre, et puis niquez-vous. Oui, aussi. Oui, non, mais ils ont une carte rouge, t'inquiète pas, ça va venir. Alors, ça augmente pas en température, c'est déjà ça. Ça, je crois que ça montait à gauche. Ouais, l'émission monte, mais on a encore de la marge avant 2100. La température est plus chiante que les émissions. Ouh, Afrique du Nord, va falloir s'en occuper aussi. La Chine, on a calmé la tendance. Asie du Sud, ça repart. Amérique du Nord, c'est cool. Donc, faudra faire gaffe à l'Afrique du Nord. Et l'Europe aussi, ça repart. Ouais, mais c'est bas. L'Asie du Sud. Ouais, je l'ai dit, mais en même temps, ils sont bas, donc ça va encore. Les cœurs, on est tranquille, mais en Inde. Il y a l'Inde qui commence. L'Inde, ça va pas. Faudra faire un truc pour l'Inde, en priorité. L'Europe, on est venu les taxer, ils en ont rien à foutre, hein, est-ce qu'on commence? Ouais, mais parce qu'on avait des cœurs. Non, non, tu peux pas. On peut pas le faire à l'infini. Non, parce que c'était vraiment un coup, quoi. Et une fois que la taxe est en place, hop là, t'obtiendras la thune. Mais là, faut que t'ailles en Inde en priorité. Alors, l'Inde. Et donc, s'ils ont des besoins économiques, ça veut dire c'est ça, voilà. On fera sûrement d'autres trucs. Ouais, alors, si on a un agent à recruter, ce serait sans doute en Inde. Ok, on atteint 25 degrés, uff. Ça, ils vont encore dire que c'est ma faute, tu vas voir. Forêt, les forêts ont... à l'Europe. Moins 11, tu rigoles, c'est super. Moins 11. Ouais, il y a un moins devant. Moins 11 152. Ah non, moins 152 là. Oui, non, mais ça, c'est pas là. Non, non, c'était le moins que j'ai mal interprété. Biotech, regarde, biotech. Attends, déjà, je plante des arbres. Ah si, acquire CCS, ça coûte cher, mais c'est super. Carbone... C'est la capture de carbone, c'est juste ce qu'il faut. Ah ouais, c'est vrai qu'il disait qu'il développait ça. Ouais, tu vois, il y a quand même des gens, on a perdu deux cœurs, enfin deux moitiés de cœurs en quelque sorte à cause de la taxe Tobin quand même. Je m'en bats les couilles. Pareil. J'ai besoin d'argent pour sauver votre putain de planète, alors laissez-moi sauver la planète. Ok. Je sais ce que je fais. En peut-être. Russie, en Russie, subside biocar, je dirais. Comme ça, on continue sur l'émission de CO2 parce alors, que c'est Middle East. Peace reign in the Middle East. Ouais, rien ne change, c'est toujours la même chose. Tech advancing at the crawl. Ouais, bah on fait une carte technique. Acquire advanced drilling techniques. Plutôt que de la technique, éducation. Oui, c'est important aussi, t'as raison. Ouais, vas-y. Donc, medical welfare programme, c'est bien aussi. Ouais, mais ça, plus pour la Russie. Tu peux jouer dans les deux, c'est pas grave. On a fait.
Mais c'est pas grave. Tac, tac, tac. Amérique latine, c'était quoi le problème en Amérique latine? La forêt. Toujours des problèmes de forêt. Et la bouffe. Donc l'agriculture. Vous avez des problèmes de bouffe? Ça va, on... Tu devrais désactiver le truc Steam quand tu joues. Ouais, moi c'est pas grave. Oui, c'est pas grave, mais bon, c'est toujours mieux, tu vois. Ouais, même les meilleurs le laissent, tu sais. Certes. Ok. Moi j'ai désactivé parce que ça me perturbe quand je joue. Tiens, tu pourras faire la taxe Tobin si tu veux. Je vais la mettre au Japon. Vas-y. Je suis occupé à essayer de les faire manger quelque chose. Bah, révolution végétarienne. Ou switch to organic farm. L'un ou l'autre. Ça, c'est bien. Food supply. Ouais, c'est bien, c'est vrai. C'est un effet secondaire, mais c'est bien. Ouais, mais c'est en fait, ça aide toujours. Non, mais c'est juste que l'émission de CO2, c'est pas leur problème principal, c'est ça que je veux dire. Oui, mais ça, c'est, tu sais, si on peut réduire un peu l'émission de CO2 et donner de la bouffe en plus, parce que la bouffe, c'est le problème, tu vois. Bah, si tu veux. Loïc, bonjour. Oh, mais vous êtes toujours pas censé venir. Ah bon? Bah non, c'est le concept. Au revoir alors. Tu peux rester si tu veux. Salut Loïc. En fait, ça dépend si t'as envie de suivre le stream ou pas, quoi. Pas du tout. Ok. Ouais, non, mais c'est juste si on est dans le channel streaming, c'est soit qu'on est en train de discuter du stream, soit qu'on est en train de faire un stream. En général, c'est qu'on est en train de faire un stream. Et du coup, bah. Tu vois. On est en stream. On n'est pas là pour t'écouter jouer à LOL, quoi. Ah non, mais je joue pas. Si tu veux, j'ai une magnifique plante que mon chien m'a ramenée. Au revoir. Salut. Bye bye. Alors, Afrique du Sud, ils avaient des problèmes côté rouge. Medical Welfare Programme, c'est bien. Désolé. Ah bon, c'était quoi le problème? Afrique du Sud, ils sont mal, hein. Indice de développement humain, effectivement. Ils sont qu'à 0,63 en HDI. Ouais, ouais. Et le charbon, ouais, c'est vrai, j'ai oublié. Le charbon, ouais, c'est la cata. Charbon, voilà. Ah bah, si tu fais Gold Free, c'est impec. Du coup, je cherche... Gold Free Industry, tu l'avais... Industry. Ouais, à droite, ouais. Ouais. Et ensuite, en rouge... appuie en rouge. Transport Efficiency Investment, c'est pas mal aussi. Je pense pas que ce soit ce dont on a besoin actuellement. Bah, ça dépend, parce que ça réduit aussi... Je pense que ça, déjà, c'est pas mal. Ouais, c'est bien aussi. Et l'éducation... Ah oui, Education Re-Enrollment, c'est super pour le HDI, ils en ont besoin. Et ça fait moins de mômes. Ouais, c'est bien qu'il y ait moins de mômes, en vrai. Ouais, ouais. Overall, c'est... Overall, si on peut faire qu'il y ait moins de mômes. Amérique du... Afrique du Nord. Et il reste Asie du Sud, notamment... Afrique du Nord, déjà, on va mettre l'HDI, parce que c'est assez terrible. Ouais, Amérique latine, on peut revenir dessus. Les forêts. Amérique latine, c'était les forêts... du vert. Du vert. Switch. Qu'on voulait y faire, ici. Vas-y, Amérique latine. Non, mais t'étais bien. Amérique latine, regarde. Tu peux faire Switch sur Organic Farming, ici aussi. Attends. Là, il n'y a que du vert, on va pas se faire plaisir. Deforestation, ça. Attends. Bah, soit subside biochar, soit le deuxième, ouais. Donc, plutôt le premier à la limite, parce qu'il est que positif. Et voilà. Ensuite, Asie du Sud. Bam. La tech, ils en ont besoin aussi. Et bah, moi, pour la tech, je fais des écoles. C'est plutôt du bleu qu'il te faut, là. Pour débloquer des cartes, ouais. Et banco, il nous reste 379, on est riche. On peut faire des trucs. Wouh, c'est quoi le plan? Alors, on avait dit Inde, je crois. Inde. Sûrement. Je pense que là, pour les forêts aussi. Carrément.
Alors, et si tu j'ai veux, toujours pas de réfugiés. Hein. Et sinon, on peut commencer à mettre en Océanie et au Japon aussi. Pas en... au Japon, on a déjà quelqu'un, mais en Océanie, on a personne. Océanie, agriculture, ouais. On va faire ça. Alors, du coup, Afrique du Nord, vous voulez quoi? Afrique du Nord, je pense que du rouge, c'est bien aussi. Mais sinon... Pas protéger les forêts. Bah alors, dans ce cas-là, fais Environmental Protect en vert. Inde. Inde, je voulais de l'agriculture. Du vert. Océanie. Ben. Je sais même pas ce qu'on a vu. Si, c'était l'agriculture aussi, développer l'agriculture. T'as vu développer l'agriculture aussi Ouais. Putain. Et dans ce cas-là, ouais, bah du vert aussi. Tout d'abord, le vert, du ça vert. Passe partout. Bah, c'est l'objectif du jeu ici, donc. Ouais. Ouais. Bah, vas-y. On est bon? Ouais, on garde un peu de thunes. On peut même recruter quelqu'un autre part. Moi, je pense qu'on va avoir beaucoup à dépenser au tour prochain. Restons comme ça et voyons. Parce que là, on a débloqué une nouvelle zone en plus. Le méthane qui fout la merde. Ouais! Nouvelle génération nucléaire, on va faire moins de merde qu'avant. On va utiliser moins d'uranium pour produire la même chose. Sauf en Afrique, Afrique du Sud, what the fuck, qu'est-ce que vous prenez les enfants? Qu'est-ce que vous prenez les enfants? Anti-géo, campagne. Putain, j'ai juste envie de les buter. C'est quoi le problème dans ce pays? Est-ce que vous avez à manger? Vous avez à manger. Il y a trop d'émissions de CO2. Bah déjà, regarde, concentre-toi sur les émissions de CO2. Regardons où on en est. Franchement, la Chine, ça va toujours pas. Mais on a mis les cartes. Ensuite... La Chine, il faut envoyer plus d'agents. Hein. Bah, s'il le faut, on le fera, oui. Mais posons des cartes aux autres endroits. Il le faut, oui, je suis d'accord. Posons des cartes aux autres endroits d'abord. C'était quoi le problème ici, du coup? Afrique du Sud, ils avaient besoin de rouge pour développer leur économie et augmenter la HDI. Higher Education Program, super. L'Inde, on avait, ouais, on avait rajouté bien du monde. Déjà, en vrai. Ouais, mais l'Inde... En vrai, j'ai envie de réduire... Tu veux quoi? Je veux faire en sorte qu'il y ait moins d'émissions de CO2. Vert, alors. Ou bien bleu. Mais bleu, il faut qu'on ait débloqué... ouais, tu vois, il faut faire de la techno, là. Ensuite, l'Inde. L'Inde, on a débloqué un nouveau agent... Parce qu'on a des gros besoins. C'est instable. Déjà, tu peux mettre un gris. Si, pourquoi c'est instable? Envoyer des soldats. Ensuite, je pense que du rouge, ça fait pas de mal. Medical Welfare Program. Ils ont des problèmes de maladie ici? Bah, regarde. La potion kills those disabled to fight it. Ok. Ils ont plein de problèmes. Ça c'est bien aussi. Ça c'est bien. Europe! J'aime l'Europe. J'y vis. Ah! Attends. Être excellent. Hein. Ils ont un problème de terre. De terre? L'érosion. Donc là tu peux aller chercher la carte érosion. Attends, allez. Ah, reviens en arrière. Non. Elle y est plus. Bah, fais Protect Land Forest and Salt. Je connais pas. Ah, si. Ah.
Afrique du Nord, c'était quoi le problème ici déjà? Bah déjà leur HDI, hein. Il est toujours pas à 0,7. Ouais, mais je suis en train de faire de... Ouais, mais tu peux y aller à fond, hein. Medical Welfare Program ou Job Sharing Initiative. Ouais. Moi je dirais Medical Welfare Program. Parce que c'est plus, c'est un cœur en plus, et alors que l'autre c'est un cœur en moins. Ouais, j'ai envie de te dire, au pire, ça me semble fou. C'est important. Tu vas voir que les choses vont baisser au fur et à mesure que c'est la merde. L'indice de développement humain dans certains pays... Yes. Ouais. C'est pas fou. L'Inde, c'est instable, on a envoyé des militaires. Oui, je m'inquiète pas là-dessus. Vous avez encore beaucoup besoin de pétrole. La Chine. Putain. Ils franchissent jusqu'au bout, ceux-là. C'est Mac 2022, la Chine, putain, ils franchissent hein. Jusqu'au bout, jusque-là. Les forêts, ça commence à se passer. Hein. C'est moins pire. En revanche, j'aimerais bien mettre un mec là pour mettre le truc de protection contre les incendies. Bah, tu peux, je suis d'accord. Parce que j'ai pas envie que ça crame intégralement de manière random. Par contre, là, faut la jouer fine, il nous reste 207$. C'était quoi le problème au Middle East? Bah, Middle East, c'est notamment la question de l'énergie. Regarde en jaune. Là, c'est intéressant. Regarde les biofuels. Ou decline. Ouais, non, biofuel. C'est de l'énergie qui est neutre. Donc, c'est cool. Ouais, la Chine. La Chine, c'est casse-couille. Alors la Chine, je dirais du rouge pour les garder dans les petits papiers. Parce qu'on l'a toujours pas débloqué. Quoi le problème dans l'Asie ? Ils sont repartis en merde côté pollution. Donc du vert. Ouais, vert. Biocar, c'est bien. Océanie, c'était quoi le problème en Océanie? Bah, c'est pas qu'ils ont des problèmes, mais qu'ils peuvent servir aux autres. Par exemple, de la technologie. Je crois que je voulais mettre des forêts. Bah, sinon, c'est en vert, ouais. Mais reforestation, c'est pas facile. Certes. L'Océanie, y a pas grand chose à y foutre, hein. Je sais pas pourquoi je suis venu là. Si, si, bah, moi je te dis un. Faire une office de techno pour développer des nouvelles techno, c'est utile. Ou sinon, la taxe Tobin. Sinon, on vient, on met des taxes, on se barre après. Ah bah non, on peut pas se barrer, hein. Y a pas de planète B. Non, mais on se barre du pays. On vient juste en Océanie, on met nos taxes et on se casse. Bah au pire, c'est un plan, hein. Ah ouais, pour le moment, ils nous aiment bien. De toute manière, les taxes, tu les mets quand les gens t'aiment bien, pas quand ils t'aiment pas. Non mais la Chine... Y'a quoi en carte à jouer en Chine? Bah on les a toutes jouées sur ce tour, moi je pense que c'est fini là. Sur ce tour là c'est fini. Ouais... Si tu veux... T'as vraiment juste foutu une... Au pire tu peux recruter un gars en Amérique du Sud comme tu voulais là.
Je voulais faire ça, moi. Ouais. Putain, Alzheimer Man. Ah, mais tu l'as déjà recruté, en fait. Je l'ai fait. Ouais, c'est on était à 2, t'es passé à 3. On finit comme ça ? On peut, vas-y. Allez, on est à la moitié avant 2100. Ouh, ça réaugmente et bien. Et je vois pas comment on atteint 2200. Bah, va falloir y aller plus fort, mais on a de la thune, t'inquiète. Allez, on... allez, baisse. Bim, on approche de 9 milliards. Ok. Les biofuels, ça c'est une bonne nouvelle. Faut jouer des cartes techno maintenant. Il n'y a pas moyen. Il faut faire des cartes techno. Ok, la Chine, je vais envoyer 50 mecs dedans. À la Chine, c'est on est mal. C'est plus possible. Non, la Chine, on est très mal. Je crois qu'ils me détestent, mais c'est plus possible. Vas-y, on a deux cartes à jouer déjà. Regarde les technos. Les technos. Le en bleu. Vas-y, ouais, carrément. On n'a rien. On n'a rien fait. Si, mais pas assez. Attends, attends. J'avoue, là, je panique. Ouais, tu paniques parce que, en fait, tes deux persos, ils vont pas, enfin, tes deux agents, ils vont pas servir vite fait, en fait. Il aurait fallu attendre le tour d'après. On a débloqué les cartes techno. Mais bon, imaginons, si tu veux faire deux agents maintenant. Il y en a un qui est utile pour le coup, mais l'autre, ouais, effectivement. Bah, Regional Energy Office, au pire. Mais, j'avoue, je suis paniqué, mais. La Russie, ils font vraiment chier. Enfin, la Chine, ils font vraiment chier. Bah oui, mais c'est normal, ils ont un poids tellement important en termes de population, de territoire et tout ça. Oui, mais c'est pas une raison pour avoir 23 000. Bah, faut leur donner les moyens de faire autre chose. Et j'essaie, mais ils ont tellement de thunes aussi, s'ils m'ont donné un peu. Bah, la thune. Qui l'a ? Faut faire une taxe Tobin en Chine, je dis. Je pense pas qu'il m'aime assez pour qu'on fasse ça. Allez, regarde Middle East, c'est toujours aussi important. Middle East et le charbon, par exemple, ça va pas. Plus l'Inde. Hein. Oui, je suis d'accord, mais regarde l'extraction. Bah, ils en extraient pas. Bah si. Attends. Le Moyen-Orient. Ah merde, je regardais le mauvais pays, je suis un dogos. Le Moyen-Orient, ils extraient à mort. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on améliore les technologies d'extraction. Tu vois le truc ? Alors surtout pas cette carte. Juste c'est la dernière à utiliser. Donc faut que tu ailles en bleu sur les technos. Appuie sur le cercle bleu. Ok. Acquire Advanced Drilling Techniques pour justement limiter les dégâts en termes de forage. Ouais, je vois l'idée. T'es malin, t'es malin. Et en revanche, en 20 ans, on a réussi sécuriser le territoire. Ouais. Non mais carrément. Ça, c'est une bonne chose. Mais ça suffira pas, parce que les problèmes, les tensions géopolitiques vont réapparaître au fur et à mesure que la situation dégénère, donc il faut y aller avant en fait que ça dégénère. C'est ça le jeu quoi, c'est anticiper sur les bonnes décisions. Du genre, retourne en Amérique latine. Parce qu'ils ont toujours un HDI de merde. Ouais, donc faut faire du rouge. Voilà, parce qu'on l'a toujours pas débloqué, putain, on est à la bourre. On est à la bourre partout, on n'a pas la... Ouais, mais t'inquiète. On n'a pas forcément pris les bonnes décisions. Si, mais c'est juste qu'il faut aller... On a pris les bonnes décisions, mais on les fait pas assez en avance. Mais les décisions étaient bonnes. Ça aurait été pire, sinon. Afrique du Sud, c'est stable, ça c'est bien. Acquire CCS, c'est cool. Ça passe partout. C'est quoi, c'est carbon capture. Ouais, limiter les CO2. De toute manière, c'est ça la base. Mais ils ont pas des problèmes de... Et reviens sur le bleu. Acquire smart grid. Renouvelable, puissance 10 000.
Nice. Inde. Alors l'Inde, je crois, quoi, le que... en Inde je crois que l'Inde, de toute manière, on aura toujours un problème de HDI. C'est l'austérité, tu vois, donc c'est du rouge qu'il faut. Et là, education and... ouais, educational enrollment, c'est toujours bon à prendre. Aussi. C'est quoi le problème de la Russie ? Pas que tout le monde mourrait. Ah bah Drought, bah t'as une carte Drought, hein, normalement, qu'on a débloqué. Ouais, dans le vert. La sécheresse, Drought, érosion, voilà. Ouf. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour les forêts ? Oui, alors je te propose un truc qui peut être un peu contre-intuitif. C'est soit mettre un autre agent en Amérique du Nord ou en Europe, soit mettre un agent en Amérique du en Afrique du Nord. Moi je pensais en mettre un en Europe. Bah vas-y pour l'Europe. On n'a pas ça. Ah ouais, bah on est à la bourre. On a la bourre. On fait en fonction de nos thunes, quoi. C'est pour ça que moi, la taxe Tobin, j'hésite pas à l'utiliser, tu vois. Parce que je pense qu'on va en foutre une en Amérique. Hein. Non, mais de toute manière, c'est tellement la merde. Si on fait pas des décisions un peu violentes, il va. Voilà, tu vois. C'est perdu. Ouh, 4% maintenant. Alors qu'avant, c'était 1%. On a atteint les 2 degrés, super. Quasiment 9 millions. Oui! Merci le Japon. Ok. Ok, bon, la Chine, on a limité la casse avant que ça pète. Il va falloir continuer. L'Amérique latine, c'est la cata. Ouais. Les cœurs, on est super bons. Moi, franchement, regarde juste le truc. Le Japon et la Russie, tu mets une taxe Tobin dessus. Ça passe tout seul. Ah, on peut en mettre une au Japon, en Amérique du Nord, en Amérique latine. Alors, Amérique du Nord, c'est un peu moins fun. On a une moitié de cœur en moins par rapport aux autres. Mais le Japon, taxe Tobin direct. Ah, on peut pas. Bon, alors la Russie. Russie, bonjour. C'est pour vous taxer. Merde, faut que j'enlève le vert. Taxe Tobin. Amérique latine, en revanche, faut arrêter vos conneries, s'il vous plaît. J'utilise quoi comme énergie, ce pays ? Reste. Pourquoi vous pétez les forêts ? Vous m'avez dit protéger la forêt. Parce que c'est ça, les économies. Et même si tu fais une campagne, elle dure que 25 ans, donc faut reprendre. C'est comme dans la vraie vie, à ce niveau-là. Les forêts. Éco-awareness, c'est pas nécessaire. Par contre, je réfléchis. Regarde les technos. Ouais, vas-y. On va leur faire des technos qui limitent la casse sur les forêts. L'Europe aussi, les forêts. Alors. Biofuel, on peut continuer là-dessus. La deuxième génération. Ouais, mais moi je veux protéger les forêts. Alors vert. Là. Des Bastard Flood. Non, vert, t'étais pas bien. Un truc. Y a pas de. Biocar. Refais Biocar. Absorbe CO2 et une pauvre poudre super, c'est pas forcément ce qu'on veut. Ça va aider. Hein, non, mais ça va aider. Sinon, c'est soit ça, soit l'autre vert revient dessus. Drought, Erosion et Wildfire. Ouais. Ça, par exemple, ça limite un truc qui est en train de se passer en ce moment, c'est-à-dire l'effet de forêt. L'effet de forêt. Ah oui, en ce moment, il y a un royal. Ah, mais ils sont moins terribles que ce que je pensais actuellement. En Russie, on peut faire quelque chose pour les forêts. Non, mais on est bien là. En Russie, on est bien. En Chine, reviens en Chine. Parce qu'on a une armée là en Chine. Ouais, on a 3 cartes à poser. Donc, de toute manière, ouais, CO2 forêt. Acquire CCS, carrément.
si t'as une étoile, de toute manière, c'est en général un bon plan. Biofuel, ouais, carrément. Je sais pas ce que c'était leur problème ici. Je sais plus ce que c'était leur problème. Déjà, ils ont des infos. Attends, middle. Essayons les autres d'abord. Middle East. Très stable. Et bah pour en arriver là, on a fait du bon boulot. Au moins à ce niveau-là. Quoi. Ouais, on a envoyé des militaires. Par contre, water stress. Donc va falloir gérer les problèmes de drought. De sécheresse. On est en retard. C'est quoi vos problèmes? Bah là ils sont tous verts, c'est bien. Technologie pour l'Afrique du Sud? Ouais, ils ont l'air de pas aimer le... Ouais, carrément. Ils meurent des cancers et tout. Le bleu? Medical warfare. Et là... Materials Research, je dirais que c'est pas mal. Ou biotech. Ouais, vas-y. Ensuite, Afrique du Nord. Afrique du Nord. Biocar, c'est toujours bien. Mais il faut être plus ambitieux. Faut être plus ambitieux. On a de la thune, on peut faire des trucs plus ambitieux maintenant. Parce que ouais, c'est que du 25 dollars. On réfléchit à ce qu'on... À où est le problème. Bah, les émissions, de toute manière, sur la Chine, on a tout. C'était quoi? C'était l'Amérique latine qui partait en couille? Ouais. Tu peux mettre un gars en plus en Amérique latine et un gars en plus en Afrique du Sud. Plus Middle East. Là? Ouais. Là. Ouais. Je mets du web pour les deux. Hein. Oui, je suis. Non, c'était ça. Ok. Alors. Là, il faut y aller avec des cartes qui valent 50. Pas des cartes qui valent moins. Il faut y aller plus violemment, quoi. Commit to renewables. Ça prend du temps, mais il faut les mettre. Ici, la deuxième gène de biofuel, c'est bien. C'était quoi le problème ici? Bah, de toute manière, même s'il y a des problèmes, là, on est bien en fait. On est dans un moment bien en Afrique du Sud. Mais c'est quand c'est bien qu'il faut faire les trucs qui coûtent cher sur plusieurs années en fait. Là, CCS. Obligé. Ou Smart Grids, mais peu importe. Les deux, hein. Ouais. Ouais, 44 dollars, non, c'est bon, on a fini. Ah oui, effectivement. Plus de thunes. On ferme le petit. Ouais. On va très vite dépasser 3. On peut faire baisser le truc? Comment il y a autant de... Comment ils demandent autant? Bah, c'est qu'on développe l'économie, donc en même temps, c'est normal. Les gens sont contents parce que l'économie se développe, mais en même temps, ça a des coûts, quoi. Mais si tu développes pas l'économie, ils sont tristes. Parce qu'ils ont rien à foutre et les humains savent pas rien foutre. Ouh merde, ça c'est dur. Ouais. Ok, crise économique. Et il n'y a plus d'uranium, ni de charbon. Donc ça y est, on arrive au moment du jeu, 9 milliards, où ça va devenir dur. Le rhinocéros est éteint. Ah, ils se sont fait stopper net. Ouh dur.
Le chameau aussi. Ok. Bon, au moins la Chine, ça a bien reculé, c'est déjà ça. Ouais. Mais il faut toujours les garder sous surveillance. Et la Chine, il faut qu'on mette un cœur en plus. Donc, la Chine en premier, une carte qui donne un cœur. Là, tu peux cliquer sur Populaire dans les filtres. Ok. Oh. Ok, ok. Decline, pas dur. Ouais, mais on est obligé là. Mais on est obligé. On est obligé. Donc, c'est soit gaz, soit coal, soit les deux. Soit oil, même oil en fait. Ouais, mais en fait, on vient de. Si on baisse la demande en charbon. On va même mettre les deux en fait. Les deux en même temps, c'est chaud. Mais. En fait, faut voir si j'utilise. Mais oui, mais en même temps, ça donne un cœur en plus. Donc c'est le moment quoi. Oui, non, mais c'est le moment, il faut voir lequel ils utilisent le plus. Tu vois, ils utilisent pas beaucoup de charbon, donc autant les faire réduire la consommation de. T'as raison, t'as raison. Allez. Power, ok. Et ils ont quoi comme plus rôle actuellement? La pollution de l'air. Pollution de l'air. L'eau. Et l'économie. Faut faire redémarrer l'économie avec un rouge. Ça. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ça aiderait contre le. Là, c'est un rouge qui nous faut. Là, il nous faut un rouge. Tu peux limiter à rouge et. Je pense pas que ça marche aussi facilement, mais. Non, mais si tu le fais pas, ce sera pire. Alors, du coup, qui consomme trop de. D'essence. De pétrole. Voilà, c'était surtout la Chine et. Le Moyen-Orient. Moyen-Orient. Moyen-Orient, on peut peut-être continuer sur les techno. Ouais, 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 ouais. Les smart grids, c'est toujours une bonne valeur. Il nous faut des trucs sur la durée qui soient efficaces et qui soient ambitieux. Après, je dirais bien l'Inde ou l'Amérique latine. Ah oui, pardon, on n'a pas fini. Non, au tout début, c'est pas la mer, mais plus t'avances, moins ça va. Oui, oui, bah oui. Et c'est en vert, encore une fois. Essayer de résoudre quoi comme problème là? Tous. essai organic farming, je pense. Ici, si regarde la techno. J'ai juste envie de mettre. Ah, on peut pas. CCS, encore une fois. Ou Smart Grids, comme tu veux. Vas-y, fonds à fond la techno pour qu'on arrête de faire des technologies de merde. Ouais, je dirais avant, Energy Research Programme. Energy Research Programme. Ouais. Parce que ça marche pour tout, le nucléaire, la fusion et le renouvelable. Ouais. L'Inde, pareil, la technologie, ils aiment bien, vas-y. L'Inde, on faisait quoi en Inde? C'est quoi le problème en Inde? L'Inde, le problème, c'est pas qu'ils pouvaient pas bouffer? Oui, il y a ça. Non, mais ça, c'est réglé. Mais ils sont bien. Dans la Chine et le charbon. Ouais, bah ouais. Non, mais ouais. En Inde, je dirais la technologie. Je me suis trompé, c'est. J'ai mal lu. Faut.
faut les empêcher d'utiliser autant de charbon. Oui. Et l'Inde, du coup? Et l'Inde, c'est ok tier. Bah, technologie, alors. Inde, on part sur de la tech. Ouais, parce qu'on est trop labour là-dessus. Ok, 112. $112, on peut recruter. Ouais, on peut envoyer un mec. Est-ce qu'on l'enverrait pas en Amérique du Nord? Moi, ce que je vois déjà, c'est qu'on a réussi à faire en sorte que les gens aient à manger à peu près. Carrément. Sauf au Japon et en Inde, mais on s'en branle. Carrément, carrément. Quoique l'Amérique du Nord, il commence à plus avoir de bouffe. Bah, hein. C'est pour ça que je te propose d'en mettre un agent là-bas. Les forêts, ça se passe bien. Et on est passé à zéro en Europe. Waouh! Pile zéro. Et là aussi. La classe. Ouh. J'ai vu un 3504. Reviens en arrière. Ou 3786, là. Remonte. Encore. Encore. Non, c'était pas là. Ouais, c'est ça. Ouais, si, en Amérique du Nord, on a encore du taf. Ouais, on va envoyer un mec là-bas, mais je pense que c'est pour la bouffe. Pour la bouffe, ouais. Parce que ça serait con qu'il meure de faim. Donc en rouge, bah vas-y, Régional va le faire. Y'a rien, on n'a pas de bâtiment dans aucun pays. En même temps, ils viennent de se taper une crise économique, donc tu m'étonnes. Et les États-Unis, dès que ça se tape une crise économique, de toute manière, t'as des pauvres dans tous les sens. Ils savent pas protéger les gens. Ok, fin de la crise financière, c'est déjà ça. 9 milliards dépassés. Ouh, l'Europe, ça se passe bien. La Chine, c'est stable. Ouais, non, l'Amérique latine, ça repart. Hein. Ouais, effectivement, j'avais pas vu. Ah, Amérique latine, tax Tobin. Ah, j'ai pensé aussi. Tax Tobin. Mais on n'a pas de tax Tobin à mettre. Clique sur le premier cercle. Celui coloré de plusieurs couleurs là. Ah non, on l'a plus, merde. On a pas de tax Tobin à mettre. Peut-être qu'on peut pas en avoir à l'infini. Peut-être qu'il faut enlever celle d'Europe. Ouais, je sais pas. Bon, tant pis. Du coup, capture and stock. Ah, d'accord, c'est ça. Ok. Attends, du coup, techniquement, si je la fixe là-bas... Est-ce que si j'enlève cette tax Tobin, j'ai le droit de mettre la tax Tobin? Non, faut surtout pas faire ça, c'est pour la durée. On n'en aura pas l'effet. Vu que ça prend du temps à mettre, faut jamais enlever une carte, en fait. Ouais, mais là, c'était la tax Tobin. Oui, mais bon. Ok. Amérique du Nord bouffe. Amérique du Nord bouffe. Oh, ils sont sur le point de crever. Ouais, rouge, tac, 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 tac. Non, vert. Organic farming. Ah non, famine relief programme. Trop bien. On met des trucs de famine dans l'un des pays les plus développés du monde. C'était l'un des pays les plus développés du monde. On est en 2065 maintenant. Le monde a changé. 2065, bah c'est toujours le mieux développé. Je te ferai dire. Ouais, mais développé, ça veut pas dire développé dans tous les domaines. C'est pas faux. Du coup... C'est pas parce que t'as les plus jolis iPhone que tu bouffes pas ta faim pour tout le monde, quoi. Certes. Stabilité. Tout le monde est restrictif. Sauf l'Afrique du Sud, very stable. Et l'Inde. Bon, bah, on est passé en tyrannie dans tous les pays, c'est trop bien. Ouais, bah, go en Chine, hein, pour les dépenses d'énergie, là. On va restreindre les énergies en Chine. Oh, tu peux cliquer sur Chine en haut à gauche, direct. Non, mais c'est... Y'a que chez moi ou ça clique plus, là? Attends, laisse-moi faire. Ok. Il y a un souci. Sauvegarde et recharge. Attends. Ah, la touche échappe marche pas.
Au secours! Nous sommes tous foutus! Non, on a cassé le jeu! Attends, deux secondes. Non, c'était pas... Bah ouais, non, c'était l'autre. Oh, dur! On a pété le jeu, non! Bah on va attendre. On s'en sortait bien, en vrai! Ouais, non, mais on était enfin, bien. Enfin, pas trop mal. Ouais, on était bien. Mais attends, on va attendre enfin, un j'ai petit l'impression moment. qu'on était sur la bonne voie. On va attendre juste un petit moment. Oui, on était sur la bonne voie. C'était jouable, on va dire. C'était pas gagné, mais c'était jouable. On attend juste un petit moment. Est-ce que ça va se calmer un peu? Non, mais ça se calmera pas, là. C'est en fait, il a mal fait sa transition entre les deux trucs. Est-ce que j'ai moyen de faire... De virer un truc je sais pas. Je pense pas que ce soit ça le problème. Je pense que le problème, c'est que le jeu a juste... On a plus rien à foutre. Bugué et... Ouais, non, mais c'est la première fois que ça m'arrive, je crois que... Est-ce qu'il y a de l'autosave sur le jeu? Malheureusement, je crois que non, hein, 2011. Ah merde, et on n'a pas sauvegardé, et on n'a jamais sauvegardé. Bah non, parce qu'on est des boulets. Ouais, non, mais parce que le jeu est pas censé planter aussi. Eh, écoute, je te propose qu'on se dise, écoute, nous sommes en 2065, nous avons fait une partie du taf, nous avons prouvé que nous avons... réussi à créer un plan anti-famine aux États-Unis, que nous avons réussi à rendre Allez, le Moyen-Orient plus stable. Moi, je dis, écoute, ça fait 45 ans qu'on est au pouvoir, chacun sa merde. C'est vrai, c'est au bout d'un moment, moi, j'ai droit à ma retraite aussi, j'ai dépassé les 66 ans, ouais, je pars à la retraite. Bah ouais, 45 ans de boulot, ça va, c'est bon, attends, faut en laisser pour les petits jeunes. Ah oui, qu'est-ce qu'ils vont faire les petits jeunes si pour travailler sur l'avenir de la planète et tout. Moi, j'ai pas signé pour travailler 200 ans. Hein. Non, mais c'est clair. Bon, alors du coup, ton avis sur le jeu? C'est cool, c'est très cool. Je pense que le jeu est trop dur parce que le jeu se veut réaliste, mais sinon, c'est très cool. Ouais, exactement. Il est réaliste. Et j'ai lu des super articles sur le jeu. T'as des gens qui étaient... Bon, le jeu est pas connu du tout. Hein. C'est un jeu de niche, comme on dit. Mais vraiment au sens premier du terme, c'est-à-dire que t'as pas grand monde qui a entendu parler du jeu. Mais c'est typiquement ce genre de truc qui m'attire. C'est-à-dire, pas connu, ok, c'est pas parce que c'est pas connu, c'est juste que pour moi c'est une petite perle qui raconte quelque chose de la réalité. Et le gameplay, bah, il fait son boulot. Je veux dire, c'est pas un mauvais jeu, c'est pas un jeu moche, c'est pas des mécaniques ouais, de non, jeu chiantes. C'est très clean, c'est très cool et ça... Ça serait un bon jeu éducatif, dans le sens où ça t'aide à te rendre compte à quel point c'est la merde. Exactement. Et du coup, c'est un peu la réaction... Je pense qu'il faudrait faire jouer à ce jeu à des élèves. Ouais, mais carrément. Et c'est pour ça, c'est un jeu qui est ici, donc, comme je le disais au début, d'une université. Et on voit le sérieux qui a été apporté, quoi. Mais ouais. Non, t'as mais l'aspect ludique pour se rendre compte de... C'est pas facile. C'est pas facile, ouais. Mais en même temps, si tu fais rien, ce sera pire. Ouais, du coup, juste pour ta VOD, coupe le début. Ouais. Parce que, en fait, au début, il y a mon micro qui est genre à 10 000%, je sais pas trop pourquoi. Ouais, je sais pas si c'est je vais le faire à la bonne franquette, t'inquiète pas, c'est pas très très grave. De toute manière, le non, stream sur Twitch. Même, hein. Ouais, mais juste si tu postes ta VOD sur ta chaîne, juste coupe le début jusqu'au moment où les oreilles de la personne qui va regarder n'applaudissent pas parce que ma voix est beaucoup trop grave, ça serait dommage. T'en fais pas. À ce niveau-là, t'en fais pas. Mais voilà. Ouais, bon, bref. Moi, c'est un jeu que je relance tous les 3 ans, à peu près, en me disant c'est quoi mes souvenirs du jeu? C'est à quoi je pensais à l'époque? Et est-ce que j'ai beaucoup changé d'avis? Et je t'avoue que non, j'ai pas beaucoup changé d'avis sur le fait que je le trouve efficace, parce que justement réaliste, dur, trop dur, pour être complètement... grand public, mais en même temps nécessaire. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ton avis. En revanche, c'est dommage qu'il soit pas traduit. Oui, ça c'est le gros manque, mais encore une fois, bah c'est un petit jeu, donc ils avaient pas les moyens, quoi. Ouais. Bah après, de nos jours, les traductions, ils passent par Google Trad et ça ils disent c'est traduit. Hein. Ouais, mais... Ça se voit que c'est pas traduit par des francophones. Ouais, mais non, mais la qualité Google Trad, tu la sens tout de suite, ça suffit plus aujourd'hui, les gens veulent autre chose.
Bah, il y a beaucoup de jeux qui essayent d'être traduits et qui font un minimum d'efforts, tu vois. Et des fois, il y a des phrases qui sont un peu bien formulées ou quoi. Ça se voit que c'est pas juste passé par Google Trad. Ouais. Mais il y a très souvent juste des moments où tu vois que c'est pas une traduction, une localisation qui a été bien faite. Non, tout à fait. Tout à fait, ouais. Mais là, il y a beaucoup de concepts, en fait, dans ce jeu. Parce que c'est des concepts réalistes. Donc, ce serait pas le jeu le plus dur du monde à traduire, en fait. Ouais, mais le jeu est franchement bien. Je pense que si t'es un prof de genre géographie, éducation sociale ou quoi, je pense que c'est tu dis à tes élèves, faites une run. Ouais. En normal. Ouais. Et au fait, tu m'avais dit, ouais, il est parti 1 heure, ça fait 2 heures qu'on est là. Ça fait 2 heures, c'est vrai, mais parce que j'avais jamais fait ce scénario qui dure jusqu'à 2200. Il dure jusqu'à quand d'habitude les scénarios? Bah, beaucoup, je dure jusqu'à 2100, donc 2 fois moins de temps en fait, tout simplement. Oui, alors, et en même temps, nous n'avons pas encore atteint l'an 2100. Oui, mais il y a aussi le truc qu'on est deux à jouer et donc on doit se mettre d'accord, ce qui demande plus de temps. C'est vrai qu'on réfléchit. Genre, le seul moment où on s'est pas mis d'accord, c'est sur mon panic split contre la Chine. Après, je t'ai laissé la souris, hein, donc. Certes. Donc, t'as eu pas mal de liberté là-dessus. Mais oui. Mais j'avoue que j'ai vraiment paniqué sur l'histoire de la Chine. Tu m'étonnes, allez, je change d'infiltre des agents à fond. Je les infiltre pas, je les envoie négociation. Non, mais si, t'inquiète pas, après ce stream, si jamais t'es mis sous surveillance par l'État chinois, te demande pas pourquoi. Ouais, au pire, ils doivent déjà tout savoir. Il y a eu des phrases d'anthologie quand même. Putain, il faut chier ces Chinois, ou un truc du genre. Non, j'ai dit que les Japonais étaient racistes. Ça ah non, c'est vrai, t'as raison, c'est vrai, t'as dit ça. T'as dit autre chose sur la Chine, mais c'était pas tout à fait la même chose. Ouais, j'ai dû dire des trucs. Mais j'ai dû raconter de la merde. Mais de toute façon, moi, dès qu'il y a de la politique, je troll et je balance tous les clichés possibles. Fort heureusement, il n'y a personne. Non, bien sûr. Parce que sinon, j'aurais des... Sinon, je me ferais cancel sur Twitter. Non, bien sûr. Mais heureusement que j'ai pas de Twitter. Mais ce qui est amusant, c'est que ce jeu transcende, je pense, aussi les... Comment dire, les petites barrières à la con nationale pour se rendre compte que le problème, qu'il y a des problèmes qui sont globaux et que tu peux pas t'attaquer à une seule région, tu vois. Ouais, et que les États-Unis, en fait, par rapport à ce qu'on a comme image, nous, en Europe, ils sont pas tant en tort que ça, genre ils ont des forêts et tout. Ah, mais complètement. Ça, c'est un truc, je pensais qu'ils seraient à moitié moins de ce qu'ils ont donné dans le jeu au départ, tu vois. Non. S'ils non. étaient en positif. Complètement, parce qu'ils ont une histoire aussi de, on va dire, de traumatisme lié à des sécheresses très fortes, notamment en Californie. Après, dans North America, il y a aussi le Canada et tout. Oui, bah ça balance. Tout là, c'est un équilibre entre les deux. Mais voilà, bon bah on va s'arrêter là pour ce stream. Et puis, en espérant que ça plaira aux quelques personnes qui regarderont. C'est un petit jeu qui est disponible donc sur Steam. Toujours disponible, alors qu'il date de 2011, faudra pas du tout s'attendre à ce qu'il y ait jamais un jour une traduction officielle, à ce qu'il y ait des DLC ou etc. Ça vaut ce que ça vaut. Mais il doit pas être très très cher. Et voilà quoi. Mais oser faire un jeu où tu joues l'ONU, ou un équivalent, j'en connais pas d'autres. Déjà, rien que pour ça. Mais il y a Geopolitical Simulator là. Ouais, mais c'est pas pareil. Tu joues un président. Mais ouais, c'est pas pareil. Je crois que. Il me semble que c'est un poil plus nanar. Même si c'est un jeu et c'est très sérieux et tout. Non, mais exactement. Tu joues une seule nation, le but c'est de garder le pouvoir, c'est pas la même chose quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, pour moi, je veux très original. Par contre, si vous êtes en mode. Si vous aimez un petit peu la géopolitique et ce genre d'aspect. Bon, alors c'est pareil, c'est plus du côté du Geopolitical Simulator que de ce jeu-là. Il y a en jeu gratuit sur navigateur, il y a e-Republic. Bon, en gros, c'est un jeu par navigateur où en gros les communautés s'organisent elles-mêmes. Mais bon, souvent ça tourne autour de faire la guerre et puis chacun qui veut avoir le meilleur poste et tout ça. Hein. Mais tu peux regarder comment. Mais tu peux écrire ce que tu veux en termes de sujet, te faire lire sur ton programme à toi et tout ça, quoi. Donc e-Republic, c'est quand même un jeu, il paraît assez sympa. Enfin, moi, j'avais essayé rapidement, mais j'étais tombé en période où la France avait fait n'importe quoi, se faisait envahir, enfin bref. Et communauté toxique. Mais sinon, en soi, voilà, il y a d'autres jeux de gens là qui peuvent exister, rares et pas souvent connus, mais qui sont cool. Voilà. Eh bien,
bonne soirée aux zéro personnes qui sont présentes finalement. Ouais, c'est ça. En même temps, on s'attendait pas à voir du monde sur. Non, mais bon. Qui sait, avec la VOD, peut-être qu'il y aura des gens. Mais c'était un jeu quand même que j'avais envie de streamer pour le plaisir et au moins pour le faire découvrir. Ah, ne serait-ce qu'une personne. Donc c'est déjà acquis. C'est vrai. Allez, fin du stream.